Eh bien, et eh bien, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir pour euh, un petit stream euh, en légende avec, euh, avec mon cher caster euh, Tréonome. Comment tu vas ce soir Bonsoir à, à, au chat, bonsoir à toi et merci bien, ça va, ça va, et toi alors bah écoute, moi ça va, je suis, je suis content de pouvoir enfin recast avec toi, ça me fait super plaisir, et en plus ce soir on assiste à un match assez particulier parce que je crois que, que c'est quand même une petite demi-finale. Petite demi-finale en effet de la division 8, euh, une des deux demi-finales en effet, en plus pour ma part bah, je connais les équipes euh, que ce soit pour Penguin Team je, euh, je connais les, les, les joueurs et Bloodfish Forever étant dans la même division, bah, on a forcément joué contre eux, donc euh, je connais ces deux équipes et je m'attends à du très lourd de leur part, en tout cas. Ok, bah c'est super bien. Alors que tu puisses nous, nous parler, tu pourras peut-être nous aiguiller dans la game, nous, nous raconter des petites anecdotes si, si c'est bien sûr possible. <laughs> en mode Père euh, Castor, hein, ça marche, on fait ça. <rire> <rire> non, mais c'est peut-être possible que tu nous dises, par exemple, que ouais, ce, 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 ce top-liner-là, il aime beaucoup ce champion-là. Je me rappelle quand j'ai joué contre lui, on sait pas. Hein. Mais oh, euh... je me rappelle. <laughs> du coup, voilà. Du coup, bah, c'est quand même. Donc, bah, faut, faut quand même le rappeler. C'est les Blobfish Fish Forever contre les New Power Penguins. Du coup, bah, c'est quand même une demi-finale. Donc, ils ont réussi à se qualifier là. Donc, c'est quand même une. Ils ont. On peut les féliciter d'être arrivés là et. Et c'est quand même une place en finale qui joue, donc une petite pression quand même pour chaque équipe. Et j'espère qu'ils vont nous montrer du beau jeu. Ah, mais on, on est tout à fait d'accord là-dessus. Les, les Blufffish Forever, pour commencer par eux, ils ont fait une très très bonne phase de, de pool. Hein. Euh, aucune, aucune défaite, et donc sont arrivés premiers. Je crois qu'ils ont. Euh, je vérifie juste l'information, Voilà, ils ont perdu que deux games sur l'entièreté des matchs. Ah oui, tu parles pas de BO là Non, 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 ils, game, ont, okay. ils ont gagné tous leurs BO, mais dans tout, tout leurs leur match qu'ils ont fait, ils n'en ont perdu que deux. Ok, donc oui, ils sont... Oh, pas là oui, pour oui. rigoler, quoi. Ah non, non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps du côté de chez Fish Forever. On est euh, on est là pour envoyer du lourd, du très très lourd. Euh, après, euh, attention, en face, on n'est pas en reste, hein, parce que nous, pour Mpegon Team, ils ont, euh, ils ont aussi euh, 2-0 euh, tout le monde. Sauf... Dernière game où bah, c'est eux qui sont faits 2-0. Bon, voilà, juste juste petit coup de bâton, mais euh, bon, ça arrive même au meilleur. Donc voilà, deux équipes qui savent a priori jouer ensemble, qui ont une certaine euh, habitude, qui se connaissent je veux dire, au sein d'une même équipe. Après, attention, Blackfish Forever euh, qui me paraît euh, dangereux, mais ça fait quand même maintenant deux, deux ou trois semaines qu'ils n'ont pas joué. Ah, okay. en compétition j'entends attention euh, comme on était en semaine de pause etc etc ok donc après ça peut être un mal ou, ou un bien si on, on, on le sait pas on le verra ce soir ouais. peut-être qu'ils ont dépend permis. Des équipes. Si elle a pu si, si l'équipe a pu train c'est bon ça change rien pour elle, pour elle mais au contraire si euh, ils ont pu euh, ils ont pas pu ou quoi ça peut être euh, assez difficile la reprise donc ça j'ai pas cette information euh, en inside euh, on en verra notre envoyé spécial plus tard <laughs> Je suis d'accord avec toi. Bah, écoute, bah, je suis content. J'ai pu regarder un peu les OPGG hein, de la part des équipes. Donc, c'est plutôt cool. Il n'y a pas vraiment d'OTP. Donc, c'est euh, à dire que les, les joueurs, il euh, y aura pas, on va dire, de joueurs directement euh, bannis ou, ou peut-être, mais mais ça sera plutôt des des personnages du moins qu'on a vu avant, des champions qu'on a vu avant, etc. Euh, du coup, c'est sans OTP, ça, ça va nous permettre de, de faire des comment dire des bans beaucoup plus intéressants. Beaucoup plus peut-être méta et beaucoup plus en style dans vers la compo qu'on veut choisir que de Ben à un Du coup, moi, j'aime bien quand c'est plutôt une game comme ça. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est que tous les joueurs jouent au moins 3-4 champions sans être déstabilisés. Donc, c'est très difficile à les focus. Après, on peut quand même prendre cette décision d'aller ban qu'une seule lane d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'il y a un intérêt Peut-être. Est-ce que les équipes vont le faire Peut-être, là, on, on verra là-dessus. Ceux de l'avenir nous le dira. On, on a en tout cas des équipes qui euh, ont de, de sacrés arguments à faire valoir d'un côté comme de l'autre, à voir, à surveiller. J'ai hâte de revoir euh, Bluffish Forever parce que ça faisait un petit moment. Euh, C'était pas euh, j'ai joué en plus contre eux en phase de en poule, donc voilà. Euh, J'aimerais bien revoir deux trois trucs euh, parce que euh, bah forcément ils, avaient, ils ça avait euh, ça avait été super sympa à, à, à jouer, ma malgré la défaite, je veux dire. Mais donc, on, on, on verra. Et pendant ce temps-là, on a le, le lien spec qui nous a été envoyé, généreusement en tout cas, par ouais. les, euh, les, les joueurs. Écoute, moi, ouais. je suis prêt quand tu veux, euh, mon petit Xanax, pour, euh, pour la draft. Bah écoute, euh, moi, j'ai l'air d'être plutôt prêt aussi. À ah, l'air seulement, mince. <laughs> non, normalement, je suis prêt, juste que les joueurs... Euh... Les joueurs bah, n'ont plus qu'à nous envoyer euh, la pro draft et, et nous, nous, on est prêts. J'espère que les joueurs sont prêts aussi. Je, je crois qu'il manque une personne pour l'instant. Euh, ah, ah oui, il manque une personne, t'as raison. Mais en tout cas, nous, de notre côté, moi, je, je suis ready. Un petit, un petit bouton à appuyer et, et la draft est partie. Euh, du coup, euh, on a regardé un peu aussi les zélos on a vu que c'était quand même assez différent. Euh, par exemple, de la côté des euh, New euh, Penguin euh, Team, ouais. euh, et ben, on a vu du, du bronze et en même temps du gold 1. Hein, ça permet quand même une grande diversité dans, dans, ces, dans ces zélos, on va dire, puisque bronze et, et gold, c'est assez éloigné. Mais, euh, mais écoute, ça n'a ça pas l'air de les avoir trop gênés avant. Et sûrement que maintenant, euh, maintenant ben, on va voir si ça n'a pas. Continuer de les gêner, mais de l'autre côté aussi, ils étaient quand même assez diversifiés au niveau de, des élos. Bah oui, c'est vrai qu'on a un élot qui est un peu plus condensé du côté de chez Popfish Forever. Est-ce que ça a porté préjudice Peut-être, peut-être pas, je veux dire pour, euh, pour un penguin. À voir, en tout cas, euh, ça n'a pas empêché les Pingouins d'arriver en demi-finale. Ça n'a pas empêché euh, de gagner euh, des BO euh, en, 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 en 2-0. Donc, à voir ce soir comment ils vont jouer, comment les joueurs vont, vont décider de, de, de jouer ensemble et quelle stratégie aussi sera mise en place parce que c'est ça aussi hein, qui est intéressant dans les drafts c'est euh, le, le, le fait de euh, bah, qui va faire quoi euh, d'un côté ou de l'autre et c'est pour ça que j'aime bien quand je suis euh, quand, quand je prépare les, les prochaines games j'aime bien prendre à l'avance les sides le plus tôt okay. possible pour préparer les drafts, parce qu'on on sous-estime beaucoup la préparation de draft ah, Je suis d'accord avec toi, en plus les sides sont super importants, on peut totalement se faire out-draft, hein, on, peut, on peut le dire. Ouais. Et, et quand on parle de ça, et ben, et ben c'est magique, parce que la draft se lance tout doucement avec un ban Viego. Ban Viego, non compréhensif. Viego est joué en face et fort dans cette méta en plus de ça. Pas le seul qui a de l'impact dans la méta, mais un reset est si vite trouvé avec Viego. Ouais, un reset est vite trouvé. Je pense que du coup, on va on va essayer de pas trop prendre des, des persos qui n'ont pas trop trop de vie ou qui est très fort avec l'âme de Viego. Mais du coup, on continue avec un, un petit ban de Senna. Euh, Senna, je trouve qu'en ce moment, c'est très très fort. C'est très 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 méta. Et euh, c'est vrai que Senna, ça peut retourner une game pour moi. Bah, euh, Senna, c'est un petit peu dans l'optique hein, comme un C'est euh, La game a commencé, il y a un, un pendule au-dessus, euh, bah, une horloge au-dessus. C'est en mode, vite, il faut gagner cette game ou avoir les réponses à apporter à une Senna. Et peut-être qu'on veut juste éviter que cette Senna existe et on préfère la banne. Camille aussi a été ban, euh, choix compréhensible, parce que, bah, on a ce Camille qui est très très forte en 1v1, en split, et qui peut aller chercher très loin un catch potentiel. Ouais, une, une Camille très très forte, en plus bah, très, dur, euh, enfin, très dur à contrer. De l'autre côté, on a, pris, on a Focus bot, plus une bot lane avec euh, ce réal. le Zac qui est, qui est ensuite, qui, est, qui continue. Bah, Zac, euh, quand même, perso assez... Fort sur sa jungle avec ses sauts qui permettent de dafter facilement de gank. Et de l'autre côté aussi, ça focus une, une, un jungler avec cette Diana. Euh, plutôt des bans assez cohérents pour l'instant, je trouve, et, et assez méta. Oh, on est, on est, on est d'accord, on a des bans méta, mais aussi des, des bans qui ont été, euh, été décidés parce que bah, c'est que Diana, par exemple, le, le jungle de chez euh, les Power Penguin Team joue euh, beaucoup Diana et on ne va pas lock donc euh, du côté de chez Power Penguin on s'est peut-être un petit peu perdu euh, c'est une Leona apparemment ah ok c'est pardon c'est donc à gauche c'est une Léona euh, on va le rappeler euh, au fur et à mesure mais du coup ça c'est vrai que Leona très fort en, en support euh, support qui permet de, de avec pas mal de CC quand même et c'est directement répondu avec une Lulu, une, 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 une très bonne réponse, je trouve. Bah, une bonne réponse, il faut avoir juste le réflexe de polymorphe Léona quand elle go in. Et euh, bah, Léona bah, devient beaucoup moins tanky parce qu'elle a pas le temps de presse, euh, de presse Z, généralement. Ou alors elle presse Z au moment où elle euh, touche son E. Il faut, faut, faut prendre en compte cette information, parce que Lulu peut soit être, euh, être sortie de lane... Par cette Leona justement, ou au contraire être une très très bonne réponse contre une Léona, mais accompagnée d'un Twitch, là la Lane prend une allure vraiment particulière et très très agressive du par la part de bloodfish Forever. Ouais, Bo Bluffish Forever qui prend ce Twitch, euh, Twitch qui est bah, du coup très fort parce qu'il permet de devenir invisible et fait beaucoup de dégâts avec son poison. Euh, il, va, il va falloir faire attention de l'autre côté et je sais pas si on va continuer sur cette botlane, mais c'est une Kaïsa qui pique. Bon, il y a toujours ce flex pique, mais bon, je pense vraiment qu'elle va être joué botlane quand même. Bah, tu vois, j'ai un peu de mal avec ce pique Kaïsa parce qu'on pas. Il, il est tôt dans la, dans la game. Et on voit pas le reste, dans, dans la draft, pardon, et on ne voit pas le reste des piques potentielles. Et. Kaysa, je pense qu'avec une Leona surtout contre Twitch, Lulu, on a envie de jouer early. Et est-ce que Kaysa va pouvoir faire en sorte de jouer early A voir. Je, c'est pas impossible, mais je pense qu'il y avait peut-être euh, un peu mieux à sortir. Par contre, euh, on va prendre un mid contre cette Vex. Ça peut être dramatique, il va falloir respecter à mon avis de la part de Vex. Ah ouais, il va falloir respecter de la barre de Vex. On sait que Vex, c'est un perso qui est, qui est très très fort, surtout face à des euh, persos comme Yasuo ou Yone. Euh, c'est plutôt des counters. Et, et pour répondre à cette Vex, euh, donc toi, pour toi, c'est sûr que celui-ci va, va aller mid Alors, c'est vrai qu'il y a la possibilité d'avoir un Twitch autre que, euh, que euh, sur, euh, sur la DC. Euh, c'est vrai qu'il peut être sortable. J'avais vu un Twitch mid. Alors est-ce que c'était River qui l'avait sorti ou pas Je ne sais pas. Mais il y avait euh, il y a le, le Twitch mid, il y a le Twitch jungle par contre. À voir. Après, ce... Lucian Lulu, c'est pas mauvais pour autant. Donc à voir. Les deux sont possibles selon moi. Moi je vois, je, je peux voir. Enfin, c'est peut-être peut-être super incohérent, mais Lucian, j'ai plus tendance à le voir top. Que à le voir mid après, c'est peut-être une grosse erreur de ma part, mais celui c'est vrai qu'il met un peu euh, toute cette compo. On sait pas trop comment ils vont jouer en plus. Là, du coup, il, il monte le Jarvan, Jarvan très très fort. On, on le sait avec son ulti, cette capacité d'engage. Et, euh, et franchement, en ce moment, je trouve que c'est un des meilleurs pick jungle qu'on puisse trouver dans la méta actuelle. Je suis assez d'accord, là il va falloir de la frontline en tout cas, euh, certes on a déjà Léona, mais il nous faut quelque chose peut-être pour aller euh, follow, euh, on, on a Xin up, qui peut être assez intéressant, <coughs> mais après il a, en face il y a une Lulu, est-ce qu'on a envie de piquer Xin quand il y a une Lulu en face, je ne sais pas, mais au moins ça permettrait d'aller fondre rapidement sur solution ou sur ce Twitch on n'a pas parlé des bans, mais on a quand même euh, Darius et euh, Gwen avec euh, en face euh, et Karim et, euh, et, euh, et euh, Sejuani. jouannies. sera sera pique, par contre. Et qu'est-ce que tu verrais au top là pour l'instant Bah là, à gauche, euh, mais en fait, on a cette flexibilité de top. Du coup, il faut un, un top qui puisse tanker, je pense. Un Mundo Ouais, Mundo, Horn. Des, des ouais, oh, plutôt si. comme ça. Et Yorick qui oh. passe très très bien aussi. Gros démolish en plus de tours. Euh, C'est vrai que contre l'autre compo, si les premières tourelles pour le speed, play, voilà, le speed push de Yorick, il peut faire très 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 mal contre la compo en face. Euh, non, parce que. Tu... Ouais, ouais, ouais. J'allais dire mais... parce que. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, excuse-moi. Non, non, je, je t'en prie, je, je, réfléchis, je réfléchis à voix haute, pardon. <laughs> excuse moi <laughs> si, si, mais du coup, ouais, ce Yorick est, est vraiment bien trouvé parce que euh, pour aller le tomber, même en deux contre un, contre un Horn en plus, euh, ça risque d'être compliqué. Ben, euh, alors, on va dire qu on, que l'on est prêt. Voilà. En fait, le, le problème, c'est que quand il y a un Yorick en face, c'est comme quand il y a un Urgot. Il faut le ganquer au moins une ou deux fois en early. Le problème, c'est est-ce qu'on va avoir les dégâts suffisants Est-ce qu'on a envie d'aller ganker cette top lane avec J4 quand il y a un horn Généralement, quand il y a un horn, as envie de laisser horn tranquille et qui scale. Mais si t'as pas envie que aurait que scale non plus. Donc là, ça va être un choix très intéressant dans la macro et le plan de jeu de la part de Bloodfish Forever. Parce que si il passe euh, quelques ganks au top... Euh, Forcément, ça veut dire qu'il n'aura pas le temps d'aller ganker ailleurs. Ça, ça paraît logique. Donc, il va falloir faire un choix. Est-ce qu'on se dit au oh, top, ça va passer on va, on va jouer très slow, très safe, et on va pouvoir aller chercher un scaling avec Orde malgré tout, sans que Yorick soit un trop problème. Donc, c'est un pari sur l'avenir. Et quand on voit la composition, on voit très clairement que le pari sur l'avenir, la, sur eh ben, il s'arrête à 30 minutes de jeu. D'accord, il y a Twitch. Si Twitch, Twitch a un late game existant. Avec surtout avec Horn. Mais en face, en late game, Vex, Kai'Sa, Yorick, Exin. C'est vrai qu'il va falloir aller rush rapidement d'à côté des BBF, euh, des BFF. Mais après, euh, pour connaître un peu le match-up Yorick-Horn, bah Horn, c'est quand même une bonne réponse. Parce que si t'es Horn, si t'as pas envie de mourir, honnêtement, tu, tu meurs pas avec... Euh, ton E qui permet de te déplacer avec ton bump, ton A qui, qui ralentit, on l'oublie mais euh, quand il fait pop sa petite montagne, euh, bah, ça fait un traîner qui, qui ralentit. Et en plus il a ce... Comment dire ce, Je crois que c'est le E où il crache des flammes et qui fait beaucoup de dégâts euh, s'il si retape derrière. Horn, euh, très très dur à tomber, surtout ce passif qui permet aussi d'avoir des d'acheter des objets en lane. Du coup, c'est vrai que il faut pas qu'il meure, il faut pas qu'il prenne trop d'avance euh, le Yorick. Mais euh, Horn, pour quand même aller tomber un Horn, c'est quand même très très dur. Après, en Orly, euh, oui. Ouais, en Orly, Mais Parce du que coup. Passer deux sur, items euh, sur Yorick euh, et euh, les 20-25 minutes de jeu, ça va commencer à s'inverser. Ça va commencer à s'inverser, mais si le Horn arrive à rester sur la lane, il aura forcément plus d'XP et plus d'items. Parce qu'il pourra ouais. rester plus longtemps. Enfin, ça se trouve, hein, on en parle, mais ça ne se reproduira peut-être pas. Mais le, le Horn n'a pas besoin de bac Si dès le début, par exemple, il prend un truc de mana et un peu de régénération de PV, je me suis déjà amusé à faire le test. Bah, ok, t'as du mal à survivre au début, mais après, t'es très, très, très bien pour le reste de ta partie. Normalement, ce Yorick, je pense que pour gérer ce Horn. Il va partir euh, divine. Je pense que c'est nécessaire. Parce mmh. qu'on aura envie d'aller euh, le trade. Sir. Et puis, on, Yorick, on n'est pas là pour jouer euh, le teamfight. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Yorick, il va être là pour aller ah, split en continu. Oui. Ah non, oui, c'est ce que j'étais en train de dire. C'était que ce Yorick, euh, lui, n'était vraiment pas là pour le teamfight. Mais par contre. Gizao, Vex, Kai'Sa et Léona. Peut-être un peu moins Vex, euh, peut-être un peu moins Kai'Sa mais par contre Léona, Vex et Jinzao très très gros potentiel de teamfight Fight. Bah, aussi parce que peut se replacer avec son R. Oui c'est vrai. Donc c'est là, là où ça peut être assez intéressant. Euh, si les Power Penguin Team euh, sont à l'initiative dans la game, alors ils, ils pourront euh, mettre leur, euh, leur plan de jeu en place et le, le, le rythme surtout. Par contre, si cette équipe de euh, Bloodfish Forever avec cette composition passe devant, euh, peu importe quand dans la game, hein, euh, ils ont un très très gros early. Et bah, je ne sais pas trop. En plus, apparemment, on pourrait avoir un Twitch mid s'ils ont respecté leur, euh, leur place. Je ne sais plus euh, où joue euh, Alexis, d'ailleurs. Je, je ne sais pas non plus, mais c'est vrai qu'un Twitch mid, ça pourrait être intéressant. Et du coup, ça laisserait beaucoup plus de possibilités pour ce, pour ce Lucian. Parce que Lucian contre Vex, c'est sûr, c'était compliqué. Twitch, franchement, contre Vex, euh, je ne pourrais pas dire. J'en je, ai aucune idée. Bah, c'est plaisi le plaisir qu'on qu va avoir ce soir à, à voir comment ils vont se débrouiller, cette mid lane. Mais euh, c'est vrai, tu as, as raison, mais Jar Jarvan Horn... Euh, Lucian et Lulu, bah, très haute capacité à, à teamfight. Twitch, peut-être un petit peu moins. Mais euh, c'est vrai que j ai, j ai, y a ne va pas trop y avoir de, de speed push euh, du côté des New Power Penguin Team. Euh, mais des 2v2 plutôt solide en 2v2, contrairement à l'autre équipe. C'est-à-dire que si par exemple au mid il y a un 2v2 euh, avec euh, Gank et Gank. Euh, je donne beaucoup plus de chances au New Power Penguin Team de survivre, et peut-être qu'ils vont plus jouer comme ça que de jouer les team Alors euh, Oui, mais ça va dépendre, parce que ça dépend là, ça, si c'est avant le level 6, si c'est après le level 6, euh, ça change beaucoup de choses, parce que euh, Jarvan, en, euh, en fonction de comment se passe la, le fight, si les CD sont partis en face, Jarvan il a juste après R, et Twitch il a juste après R aussi, et c'est un free DPS qui est fait. Et à part des flashs, ils n'auront plus rien pour ces skype hein, si tout, est, tout, a, tout a été claqué déjà. Donc, ça va vraiment dépendre. Le V2000, je pense qu'il n'est pas du tout évident à prendre. Et je pense que tout, il ne faut pas le sous-estimer. Euh, très, très euh, impactant, euh, très heureux dans la game. Beaucoup de dégâts early. Trop même de dégâts early. Je me permets même de le dire. Trop. Et je me rappelle peut-être une game. Je ne sais plus si c'est eux ou pas. Mais il euh, y avait un Twitch mine qui avait été piqué. Il avait roulé sur la game... Euh... Parce que le pic, euh, en fait, euh, était en perma roaming simplement en étant fufu. Et il y, y a une chose qu'il va falloir euh, faire, c'est acheter des pingwars du côté de chez Perma Win Team. Parce que on, si on n'a pas de pink pingwars, le Twitch va faire ce qu'il veut. Et là, ça risque d'être dangereux. Je suis, je suis 100% d'accord avec toi. Euh, si le Twitch, bah ouais, c'est vrai que j'avais oublié cette capacité que le Twitch euh, a de, de roam. Et de pouvoir aller chercher des, des kills un peu à droite à gauche. Ça pourrait permettre peut-être en fait d'avoir euh, pas un second jungler. Mais euh, imaginons que la, la décale et que le Twitch aussi, euh, ça peut faire un très très gros combo. On les connaît sur cette botlane. Euh, ça pourrait faire super super mal. Hâte de voir un peu euh, comment la game va se passer. En tout cas, euh, du côté euh, des... Des blobs Fish Forever, ils sont sur une composition assez facile à jouer, on va dire. C'est une composition bah, qui est un peu connue du grand public, on va dire. On, on la voit assez régulièrement. Du moins, euh, c'est pas très surprenant. Par contre, de l'autre côté, avec euh, ce Twitch qui nous sort au mid, ça va permettre, je pense, de, de complexifier un peu euh, cette draft et, et cette game. C'est un peu l'élément imprévu. Et On me dit dans l'oreillette apparemment que le, tu aurais inversé les, euh, les deux noms. J'ai inversé. Euh, eh oui, c'est euh, Bloodfish. Ah à oui, droite. pardon. Non, mais tu seras euh, flagellé en place publique, c'est pas grave. Alors normalement, la game va bientôt se lancer. Aucun souci. Bientôt, bon, de... exactement. Donc c'est bien un Twitch mid a priori. Déluge de l'âme, donc très certainement AP. Euh, le scaling d'un Twitch AP, je le connais un peu moins par contre, par rapport à, à un comment dirais-je à... un Twitch AD. Ah oui. Euh, bah je connais pas non plus. Je crois qu'il a quand même des sorts euh, très. Je crois qu'il a un gros potentiel de. Ah oui, non mais, mais, mais oui, oui, le... ça c'est une certitude, on est d'accord. Mais je connais pas trop si euh, il est euh, plus late. Je dirais un peu plus late quand même que son que la version AD. Mais, euh, mais voilà, alors, je vois qu'il y a beaucoup de soutien euh, pour les Blobfish Forever dans le chat. N'hésitez pas aussi euh, à soutenir un peu les Power Penguins, quand même. Un minimum. Au moins pour les deux équipes, par principe. <laughs> soutenez la game, soutenez tout le monde. Euh, bien sûr, on n'oublie on, on pas vos messages dans le chat, on les lit, on essayera on, on de réagir avec vous. Euh, en tout cas, on voit quand même du soutien. C'est super, euh, super, cool. Euh, la game qui va vraiment commencer dans, dans très peu de temps. Hâte de voir ce qui, ce qui va se passer. Mais en tout cas, euh, en tout cas, content d'être euh, là ce soir. Euh, la... C'est normal. Appuie sur OK. OK, bah voilà. Tu, tu as deviné ce qui se passait. Il, il m'est arrivé la même chose la dernière fois. Je pense que c'est le, le mode spec qui est maintenant. Euh, non non venu. non, c'est parce qu'ils ont mis une pause en early Ah ok. Ah bah nickel. Ah voilà. On voilà. voit, euh, on voit un, des, un des modérateurs qui, qui est là pour euh, pour les pingouins. Ah, on voit d'autres personnes aussi qui sont là. Les pingouins ne sont pas tout seuls. On le savait. En et tout y a cas, c'est. La avec eux. <laughs> ah bah là, c'est un peu euh, le choc euh, des euh, entre les fiches et les pingouins. Aïe aïe aïe. Alors, on va essayer de débugger tout ça ensemble. Voilà, moi aussi de mon côté. Bah, bah, C'est bon pour moi, j'y suis. Ah, bah pas moi du coup. Ah si, ah. ça y est. Tu as 6 à... secondes. Je ne sais pas, tu en es où. Je suis à 8. D'accord. Euh... 10, 11. C'est bon pour toi ou pas Oui, je suis pareil que toi. C'est eh bien formidable, incroyable. Je vais... Alors, je vais vous afficher... À c'est ouais, mieux avec la game suite. en effet je pense <laughs> vous affichez ça tout de suite à l'écran donc si je me trompe pas Ouh, euh, un normalement les deux équipes qui a été vue. alors normalement je suis bon et c'est une invade pour oh, commencer exactement alors oh, c'est le flash qui est utilisé très bon escape de sa part euh, bah, un flash utilisé en early pour un jarvan c'est un peu un peu dommage, ils ont plutôt bien réussi leur plan et ont réussi à choper ce, ce flash. Bah, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a vu cette une veille en fait, sur cette mid lane. Et euh, on est resté quand même. Donc voilà, bon, c'est pas dramatique. J4 euh, aura toujours son combo. Après, euh, est-ce que dans le 1v1 maintenant, euh, jungle, ça change quelque chose Je ne sais pas. Oula, le bait jusqu'au bout. Est-ce que ce Twitch est au mid et au bot On a encore le doute hein, ici. Hein. Ils aiment bien nous faire patienter. Ils aiment bien nous faire euh, nous embêter. Mais en tout cas, en mid lane, ce qui est sûr, c'est que, que la Vex n'est pas prête. La Vex n'est pas prête. Oh là là. Ah, c'est sadique. Ah là là, c'est Sadix, mais c'est bien joué, c'est bien joué, on joue, on cheese, et ça passe pour les Bobfish Forever. En attendant, on a consommé ce flash sur cette mid midlane. qui n'avait pas d'autre choix, hein. il fallait faire, on a l'information de savoir où est J4 du côté de chez euh, euh, les Penguins, justement. Ah ouais, c'est ça qui est, qui est plutôt assez bien, mais quand même, on a, on a deux flashs d'utiliser à zéro. Par contre, c'est engage à Leona, mais ça ne permettra pas de voir la suite. Belle engage, mais, euh, mais les dégâts pourtant sont plus en faveur de. Ah, mais ben, n'a pas beaucoup de dégâts en early. Ou alors il faut que le passif soit stack. C'est pas évident. Pas beaucoup de dégâts. Et en plus, cette Lulu qui, qui si je me trompe pas, met du bouclier où, où il a un petit peu. Donc ça, ça quand même, permet de, de bien aider cette, cette botlane. Ou le E qui aura frôlé cette Lulu. On respecte, hein, on respecte un petit peu. Au mid, euh, cette vex va souffrir. Donc, on va, euh, va peut-être mettre ce Lucien au hein. Qu'en penses-tu, mon petit Xanax bah, cette Luci ce, ce Lucien, il est au mid depuis tout à l'heure et, et, et a le push. Bon, après, avec, euh, avec cette invade dès le début, c'est un oh, peu le normal. 4 a été vu. Tum. Le J4 de il a... présence. Ouais, il n'ira pas plus loin. Il est juste venu faire un petit coucou. Euh, plutôt. Dommage que cette trinquette soit là. Ça aurait peut-être permis un, un beau jeu. Mais du moins, euh, il aura le carapateur outside. Oui, bon après on tente. Euh, ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis. On perd pas non plus 20 secondes hein, sur cette bot lane. Hein. Et une grosse wave qui va s'écraser sur le top side. Attention, Yuri, qu'on prend l'agro de la tour ici. Deux coups de tour qui euh, remettent un peu à zéro les barres d'HP euh, d'un côté comme de l'autre. Ouais, on le disait, ce... ce... Euh, Horn qui du coup va jouer sous tour obligé, euh, Yorick euh, très fort euh, à partir du level 3-4 et encore plus quand il aura son ulti, le Horn va subir un peu mais s'il arrive à bien farm et à rester tout le temps sur sa lane sans utiliser trop de mana, attention par contre c'est une veille directement sur la bot lane qui va mettre beaucoup de dégâts le flash utilisé pour le tout et c'est le premier kill récupéré de la game, attention à cette Lulu qui reste maintenant, ça sera le premier kill c'est dommage, ouais, on n'a pas, euh, pas respecté par contre, mais non plus, on ne respectera pas ici. Lush a une très agressive qui va pouvoir aussi prendre le kill. Mais en effet, cette c'était sans flash. Maintenant, hein, il faut faire cracher Twave au bot. On essaye, on push, mais on n'y arrive pas. <laughs> Ou pas aussi rapidement, en tout cas. <laughs> on n'y arrive pas, on veut vraiment aller chercher ce, ce bac qui, qui est free avec cette grosse lane. Mais euh, Lulu qui a plutôt bien réussi à temporiser cette, euh, cette wave. Et ça va permettre au Twitch de quand même manger un peu de cette wave. Absolument. On, voilà, on a ce horn qui a pu acheter son premier item avec son passif et taf d'armure. Du coup, un... l'armure qui n'est pas trop dans la game, hein, avec ce Xin, avec ce Yorick, Et cette Kai'Sa qui, même si elle parade, sera un peu hybride en termes de damage. Attention à ça. On a euh, on a réussi à compléter cet écart au mid au, euh, bot pardon et au mid il y a un écart qu'on n'arrive pas à combler pour l'instant en termes de CS. Ah bah là euh, en mid lane c'est assez compliqué. Euh, je, je crois qu'il faut que je fasse ce petit changement puisque le Lucian est mid ouais c'est voilà on voit vraiment presque bon, 20 gold d'écart. Écart et 4 sur ce, sur cette mid lane. Par total le trade qui est pris directement. Les dégâts qui sont loin d'être ridicules. Mais attention à respecter le backfire. On a pris la go des creep, hein. Et ça s'est vu. La barre d'HP qui a vite fondu. C'est vrai. Mais Horn mais a cette capacité, comme on le disait, de, de pouvoir rester sur cette lane. Et voilà. Il a déjà pris du mana. Donc son objectif est de temporiser cette lane. Et, et je pense qu'il est plutôt bien parti. Et, et va pouvoir rester sur cette lane. Pendant que Imario bah, va devoir back, attention, ce flash qui est utilisé. Plutôt bien joué de sa part, je pense qu'il était mort. Ah oui, s'il n'y a pas de flash, il est mort. On est d'accord. Il faut respecter. Hein. Il y a des timings à respecter. Et euh, bah, ce jeu-là, c'est euh... ce hand qu'il faut respecter. Par contre, le Drake a été en... commencé. On va esquiver le grab de cette Léona Par contre, G4 qui prend la formation. On est en 2v3. Potentiellement Lucian qui fait l'effort de décaler. Va... Est-ce qu'on va tout mettre sur ce le Kaisa L'exos qui est claqué par contre, le Drake est sécurisé de la part de Penguin. cest qui ça va tomber sous le killing de ce Lucian. On va se pouvoir se replacer intelligemment peut-être. Vex légèrement en retard sur ce Mour. Malgré tout, un kill pour un Drake. Drake x C'est OK. Un kill pour un Drake. Euh, mais je crois que ça a été le kill de Lucian et le Drake pour Jarvan. Ah non, c'est OK. Je me suis trompé. Un kill pour un Drake, c'est vrai qu'en début de game, bah, vaut mieux le kill, mais pour la fin de game, vaut mieux le Drake. Mais euh, il tu... faut respecter le midlife. Oh, le midlife, plutôt bien. Il fait mal ce, ce Luciane quand même. Ah, il fait mal. Le PTA qui fait vraiment la différence ici. Et bon, bah, Vex n'excelle pas contre ce genre de champion en plus, donc attention. Hein. Attention à, à ce qui se passe à cette mid lane. Euh, en tout cas, là, la Lavex, euh, même si elle a un peu... De... Ah oui, non, elle a quand même beaucoup de retard au farm. Ça risque d'être très compliqué pour elle de suivre cette game. Et on voit au top un uh, match-up plutôt équilibré, assez even en termes de CS. Bon, le Horn le qui est obligé de reculer face aux ghouls. Les ghouls qui font très très mal. Mais, euh, mais même, il a que 8 CS de retard. On, on aurait pu s'attendre à pire. Comme, si, comme on regarde avec, euh, avec cette mid lane. Oui, attention, par contre, hein, Yorick qui commence tout doucement à travailler le horn au corps à corps, mais le Twitch sur stop-side, justement. Décidément, euh, l'ulti qui va claquer des deux côtés, on met beaucoup de dégâts. Non, euh, euh, le, Yorick, pardon, euh, va se faire exterminer malheureusement par le Twitch. Twitch AP, du coup, en son grande surprise, hein, en vue de la composition. Attention, par contre, on a la décale de Xin Mais je suis pas sûr okay. qu'il survive, hein. Je suis si, si going comme ça, même si euh, s'il ont... ah, y a plus de R. Par contre, là, là oui, c'est dangereux. Là, je suis totalement d'accord. avec toi mais par contre, il est collé au mur. Attention, le bum qui est réalisé, le, le R qui est utilisé de zigzag pour essayer de survivre, le Yori qui arrive, mais qui ne va pas permettre d'aller plus loin. Mais c'est quand même un kill utilisé, euh, récupéré en top side. Ça fait du 1-1 euh, plutôt bien ce gank oui on punit comme on peut, attention par contre on attend le Xin ici on a la formation mais on va se faire bait jusqu'au bout le Lucian dans le bush qui aura eu raison de Xin il a eu raison, attention à cette agression à la mid lane, hein. très très bon positionnement et, et on peut voir que de l'équipe rouge il y a quand même du très bon roaming du coup des, des BFF avec ce Twitch qui, qui est quand même bot side à la base, qui allait gank au top, avec cette plus, ce Lucian qui allait euh, au bleu, tout simplement pour, pour pour surprendre ce jungler. Beaucoup de roaming qui paye quand même. Ah, le, le roaming paye, et heureusement parce que le, le... Attention, par contre, là, on a un qui fait l'effort. Le R qui ne connectera pas, le E non plus. Oh, je ne sais pas si on peut y aller directement sur le double, mais sur ce Lucien. Le Q qui va connecter, on met un peu de dégâts ici, mais il y a Jarvan qui est là, prêt à bondir pour aider son mid laner, Lulu qui n'est pas très redirecteur de Sachi sur ce Lucian, on met beaucoup de dégâts et on va prendre le kill sur cette Leona. Attention, la killing peut-être qui n'est pas encore pour autant pour moi, mais les dégâts sont très présents sur cette mid lane. Lucian en 4-0. Lucien en 4-0. Mid. Euh, assez surprenant. Mais ça marche plutôt bien. Euh, surtout contre cette vex, il l'a pris en, en counter-pick si, si je ne me trompe. Euh, Exactement. Plutôt bien joué de sa part. Il, de, il doit connaître le match-up. En plus, euh, dès le début de game, il permet d'aller récupérer euh, ce kill euh, avec ce gank. Euh, Ils veulent il veut mettre Big, ce Luciane. On le sait, on le sent. Et ça marche plutôt bien. Est-ce que, est que Luciane ne serait pas une euh, condition pour win au moins pour tenir un peu cette early avec j 4 pour permettre à Twitch de prendre un voire deux items et ensuite et euh, le, 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 le Twitch va aller apporter un peu d'aide aussi sur la carte en termes de dégâts. Parce que Lucien aura toujours un peu de dégâts, c'est évident, euh, mais peut-être pas autant qu'une Kaisa. Autant qu'une Kaisa. Encore une fois, on a plus de mana sur cette Vex par contre et, et on le sait, on permet de prendre eh, pratiquement deux plates, euh, une plate. Pardon, sous les yeux. Sous les yeux, c'est sûr que c'est dur. Par contre, Ascension, à cette Kaisa qui va très très loin, elle n'avait peut-être pas vu la nuit, voilà le flash qui est utilisé. Et en top side, ça continue avec les dégâts mis sur ce horn. Le horn, bah voilà il encaisse, hein. on, on le sait, il est là pour ça. Et, et comme on le disait, il marche plus trop bien. On l'a vu directement un anti-heal pour, euh, pour. Voilà, il, il, il aime bien se faire frapper, mais si tu le frappes, ça pique. Ça va commencer en effet un Vex qui a fait un qui a pu faire euh, Xim qui, qui est là, mais Vex n'a pas pu faire son reset décidément. Je m'en bourbe. La Terre qui est bientôt tombée avec cet Herald qui a été assez, assez bien senti. Hein. Mais oui, cet Herald plutôt bien posé euh, qui du coup continuait d'appuyer cette avance sur le Lucian. Euh, et, et ça va être du coup le, le dragon récupéré un peu gratuit en vue de, de cette petite avance euh, dès le début de game un très très bon dragon en perspective pour euh, les deux équipes peut-être un peu plus avantageux pour la composition blue side un peu plus de front lane un peu plus de tank mais attention pas en reste hein. J4 et Hand qui peuvent bien en profiter de cette soule de montagne attention à ça et oui attention à ça cette soule de, de montagne qui fait euh, qui fait quand même pas mal de je crois que c'est de la résistance du coup ou du moins de la régénération de PV ah non ça c'est l'océan euh, c'est euh, alors j'ai un doute je crois que c'est 4% ouais 4% en plus je crois euh. j'ai un doute maintenant ça ouais de résistance euh, armor et, et, et résistance magique par contre, attention à cette bot lane. Le R qui va slow cette Lulu. Le E qui touche qui, la Kessa qui met beaucoup de dégâts et qui va permettre d'aller chercher ce kill. Et le Twitch qui a pu s'enfuir tranquillement. Le Xing Zhao qui a banque un peu inutilement. Attention, par contre, en top lane, ça continue. Mais ça en finira là p de dehors bien entamé, Et c'est ça qu'il faut faire de la part de, euh, des, euh, des Power Penguins. Il faut jouer sur ce top side. Il faut jouer avec le catch de cette Leona et de ce Xin, accompagné d'une Kaisa. C'est exactement ce qu'il faut faire. On a vu hein, le cancel qui a été proposé par ce Yorick. On n'a pas vu sur de l'ultime là-dessus. Par contre, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Mais par contre, il euh, y a le Demolish. Et voilà, qui va permettre d'aller chercher, je crois, deux plaques d'un coup avec cette grosse wave, ou du moins une sur. Mais par contre, le R qui est utilisé, le Flash très bien réalisé, mais le R qui va mettre mal et le Lucian, la très bonne décale, qui permet d'aller chercher ce kill, bien joué le roaming de ce BFF qui continue de payer. On parlait des ping-pong pour la vision contre le Twitch, mais on n'a pas parlé de la vision tout court. Hein. C'est vrai que la vision, de manière générale, est, peu importe la game, très, très importante. Et là, elle est d'autant plus, surtout qu'on a un Lucien qui est en 5-0, qui peut faire un peu ce qu'il veut. Par contre, surtout pas ça ici. Interruption, ramassée pour cette Vex. Très bonne réaction de la part des Power Penguins. Par contre, on peut peut entendre les directement. j 4 qui va combo out. On, on ne se laisse pas faire. On prend interruption. On punit bien euh, les euh, comment dirais-je les, les allées euh, et retours dans la jungle euh, de la part de, de Blockfish. Bah ouais, on, on contrôle plutôt bien. Euh, bah, bien joué de la part des quand même euh, des pingouins qui, qui ont été chercher sur Lucian, qui les, qui remet plutôt bien la vexe, euh, avec, euh, avec pas mal d'argent en plus elle, elle continue de farmer donc quand elle va back elle, elle va pouvoir euh, limite acheter euh, bon je pense pas son item en entier mais mais se remettre bien, du moins, puisque celui qui a déjà son premier item face à cette Vex qui en a pas. Attention quand même euh, à ce ci qui, même si on a eu l'interruption, va continuer quand même de faire très mal. Il y a ça, et puis il y a le faux spectral qui est bientôt complété euh, chez Lucien aussi. Et là, ça c'est son power spike qu'on n'a pas envie de subir hein, un power spike de la, la Gale Force plus euh, la. La fausse spectrale, ça, ça peut être dramatique. Par contre, oh, bah, ça, ça peut être dramatique aussi. On se replace à Téjama, mais Keisa ça pas contre. les essaie tout mettre pour tomber sur Luciane et on va y arriver. Par contre, ça, qui va tomber à son tour. Flash out de la part de Lona pour rester en vie. Jarvan qui va louper malheureusement son combo, mais Twitch qui est là encore une fois. Dex qui n'a pas d'ultime et qui essaie comme elle peut. Attention, on essaie de mettre un petit peu de dégâts, mais on n'arrivera pas à aller plus loin. Et on restera safe dans l'idée. On prendra pas de gros risques de la part de Buffish. Pas de gros, ri... de... gros risques, mais c'est quand même deux kills récupérés. Donc euh, bah c'est quand même euh, mis en avant. Et en plus, juste avant le dragon, à 50 secondes du dragon. Peut-être qu'ils vont back assez assez rapidement. Mais du coup, ils peuvent prendre cette vision et, et aller chercher ce dragon. Je ne sais pas si on va plutôt aller chercher ce dragon qui va arriver. Ou, ou cet Herald qui va arriver aussi dans, dans une vingtaine de secondes. Je ne sais pas. Par contre, on est parti embêter cette Vex, mais on n'a pas de vision. Donc, on... heureusement pour cette Vex, ce serait plus dramatique. Hein. pendant que le bac du J4 qui est un petit peu tardif, ça peut être un, un drake qui peut être fait très rapidement, mais on n'a pas l'info hein, que ce euh, Jarvan a bac. On n'a pas l'info, surtout que bah, le Xingzao a l'air de vouloir faire ce drake. Assez intéressant. Est-ce qu'il va pouvoir... Euh... Non. Shavan sera légèrement en retard. Mais sera quand même présent. Attention par contre, on décale en masse sur ce bot side. On a vu ce Lucian Léona qui a un petit peu avancé. Twitch qui n'est pas encore vu. Twitch est vu. Ça y est. Par contre, Lucian qui a prendre beaucoup de dégâts. Le flash indirectement directement. Et on aura réussi via le Q de cette Kaisa à la l'anonymiser. On aura forcé le respect. Attention par contre, le J4 ici qui est pris à partie. On est 5. On a fait l'effort de la part de toute la team. Sans utiliser la TP de la part du Yorick. Hein. Très très bonne macro du top laner qui permet ici d'assurer ce deuxième dragon. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour l'instant, les deux équipes, c'est pas ce Val, mais ne. arrivent une autant que l'autre à punir. Tu vois ce que je veux dire Oui, ils sont assez even. En plus, on voit du Demolish aussi ici. Peut-être pas aller réussir à chercher cette première tourelle, mais la première tourelle Botsai qui a été mise assez bah, est aller chercher cette tourelle. Du coup, ça fait une tour partout. Euh, on a vu quand même ce bac tardif du Jarvan qui, qui, qui a sûrement coûté, euh, coûté ce drake. Je pense que, que tu l'as dit. Par Au contre, bon, en bot lane, du... ça continue. Avec ce air de la Leona très bien placé. Elle touche, elle stun et elle fait mal. Et ça sera la Léona qui prendra le kill, mais ça continue, mais je crois que le Twitch va réussir à s'enfuir. Bon, par contre, c'est très bien, je veux au top ici, on met beaucoup de dégâts sur ce horn qui arrive à tanker, mais le divan qui a été complété, euh, ça va commencer à être difficile pour le horn. Ça va être difficile pour le horn, mais, mais oui et non, parce qu'il a déjà son antille, il a déjà son mana. Euh, franchement, il ne lui manque pas beaucoup, euh, je pense qu'il va partir... Euh, du coup, en vue de son stuff sur. Euh, ah, je ne sais plus comment s'appelle l'item, mais euh, sur, euh, sur de la grosse résistance et de la grosse armure, quand il l'aura, euh, il sera full item ouais. en fait. Bon, voilà, il le solaire. C'est bon, flash par contre du combo. On arrive à se replacer. On a même Lucien qui a fait l'effort sur ce top side. Et il fallait flash hein, pour ce Yurik. Euh, on n'avait pas le choix. Il pas de choix, par contre, il euh, y a l'air d'avoir toute la team en haut qui se rejoint. Le Twitch qui veut peut-être aller chercher. Euh, les golds sur cette tourelle, euh, voilà les golds qui sont tous partagés, ça permet de mettre à peu regarde, près la bien. team bien. Mais ils ont un cette, cette tourelle mid, mid quoi. Oui mais on punit très très bien pour l'instant, on arrive à défendre. Et attention on va prendre de gros gros risques ici. L'exo directement, il y aurait cassé autoritaire directement. On essaye, on a pris cette Herald, on a pris cette T2 au mid, on a réussi à prendre cette T2 par contre, c'est une opération gagnante pour le Power Penguin qui ne se laissent pas faire et qui vont même pas à hésiter à les punir à l'autre bout de la map. Et oui, et oui, le oui les ils vont aller les punir les, les pings qui, qui sont vus. Euh, le, le Horn, qui est, a peut-être du mal contre le, le, le Yorick, mais, mais pas contre les autres. Euh, C'est sûr qu'en fait, il a une grosse base de, de dégâts. Et en plus de ses items tanky, euh, le Horn, tu n'as pas forcément envie de le, de le croiser dans ta game, surtout qu'il n'y a pas énormément de gens qui sont... Si fit que ça, à part peut-être cette Kai'Sa, je ne suis pas sûr qu'elle réussirait à tomber en 1 contre 1. Le Horn, voilà, qui va tout de suite aller, aller en bot lane pour, pour speed push. Et on va laisser la top lane toute seule ou ça va être le, le Lucien qui va protéger cette T en top Lucien va prendre la wave, il va peut-être reset après, je ne sais pas trop où il en est dans, son, dans ses backs. Mais euh, peut-être qu'il va reset, en tout cas le le, le Yorick ne peut pas tenir Solution. ci hein. ah non il peut pas le tenir faut qu'il fasse attention parce qu'il a un level de plus et il a quand même deux items après pour Fandor 20 Yorick le dégâts euh, Yorick il poke très très bien ici ah, c'est sûr que si le Yorick il touche ça fait beaucoup de dégâts mais par contre la cavalerie avait l'air d'arriver mais n'a pas suivi ils ont vu que ça que ce n'était pas ça possible était. voilà le Luchian, c'est mais... de trap ici. Mais attention, le Yorick peut faire très très mal. Oula, la zone, peut-être ici, on s'est un peu loupé, peut-être. Le burst de Lucian. Et le voilà, le Lucian, attention, il faut respecter, justement, on voit tous les dégâts. Malgré l'établi, ce Yorick va tomber. On ne respecte peut-être pas suffisamment, par contre, sur cette mid lane. Euh, bot lane, décidément. On va être, mais euh, on va être catch Mais non. C'est ce qui va être pris. Non, mais on est pris directement. Et on est 4 sur ce euh, bot side. Le hand pour rétablir un petit peu euh, la. Euh, comment dire J'allais euh, dire la paix, mais pas du tout. On veut se battre, mais. Euh, <laughs> on n'arrive pas à catch. Il y a un Drake dans 35 secondes maintenant. Ah, le Drake qui va arriver. On va avoir, je pense, un beau petit team teamfight. Excuse-moi, euh, j'ai bégayé en vue du, du move du Jarvan qui. Oh, pareil, qui n'a pas eu froid aux yeux. Qui qui a directement voulu voulu bac et qui est retombé sur un, un autre un autre adversaire mais qui a flash derrière bah très beau move de sa part je pense que tout le monde était surpris et, et... je suis étonné qu'il meurt pas par contre j 4 là-dessus Ah mais moi non plus il a pas été catch très bien joué en plus il a il a toujours son ulti bon il perd son flash sur ça mais bon c'est toujours mieux d'être là sans flash que que pas là En effet on a ce Yori qui va faire l'effort d'aller aider ses mates a priori on prend l'information, on a toujours la position ici. On attend peut-être Lucien qui se montre assez présomptueux de la part de Lucien. On se regarde un petit peu en chien faillant. C'est une arame dans la river roadside. Compliqué pour l'instant. Ah là, là s'ils veulent abandonner, et le... par contre, tout de suite, le R voilà qui est utilisé et sur la contre, case. On va 100%! Oh là là, elle a été punie très rapidement. Le Lucian qui continue avec les dégâts. Le Xing Zao qui ne pourra pas aller chercher ce Lucian. Et le dragon qui, du coup, bah, les fait fuir. Ils ne peuvent pas faire ce dragon. Voilà, ils ont repris le territoire. Le dragon qui est récupéré. Ils ont réussi à survivre. Mais ils ont été sortis de ce dragon. Euh, C'était sûr, après 3 après kills, euh, en 2 contre 5, ils ne pouvaient pas rester. C'est dommage, on a deux ultimes de up pour Kaisa et pour cette Léona Bon, est-ce que Kaisa aurait pu aller R ou pas Ça, j'en doute, mais Léona peut-être un petit R dissuasif pour ce Lucien, aurait, ça aurait été bien. d'ailleurs, on offre le Nashor, on offre ce deuxième Drake, de euh, qui est pas dramatique, mais ce Nashor, par contre, qui peut l'être un peu plus parce que on en a pas parlé, mais le dépush du côté de euh, pour Penguin, pour l'instant, euh, il existe, mais il est pas incroyable il existe on a on a cette vex cette vex euh, énorme d'époches euh, pour, euh, pour connaître un petit peu le perso Kaïsa qui dépêche pas mal Yorick euh, franchement euh, assez bon d'époches euh, non c'est vrai que moi mais on a cette vex qui, qui va être là mais ça va être compliqué je pense que s'ils arrivent à bien jouer leur Nashor ça peut être facilement l'inhibiteur du milieu qui, qui peut être qui peut Oula, être trouvé enfin loupé ici j'ai vu un R Léona je ne sais pas pourquoi tu penses quoi de ce seul sur Léona justement euh, bah du coup je ne sais plus exactement euh, à quoi est du l'item par contre euh, le Lucien qui n'a pas froid ouais, le Lucien il a, il a pas peur il a trois items et demi le Yorik en a même pas deux non, non sur ce temps de jeu c'est Lucien qui va dicter euh, ça euh, à la game et pour l'instant il le fait très très bien mais euh, cette Leonide du coup qui, qui va permettre d'être encore plus tanky si, si je m'abuse il des euh, défense sous votre side par contre de la part de Power Penguin. Bah ouais, il s'attendent peut-être peut à, à quelque chose en mid mid en mid. -la en mid euh, par contre à trois là, ils peuvent personne peut peut aller les contester. même en, à 5 qui je suis pas sûr qu'ils puissent le Xingzao qui va se, qui va revenir. Euh, mais je crois que. Non, ils, ils n'iront pas quand même chercher cette, cette tourelle. Ils respectent quand même. Euh, je pense que ouais, des pings ont, ont été annoncés pour dire qu'il y aurait le, le comité d'accueil. Ah oui, bah, il, fallait, il fallait, en tout cas. On a, euh, on a un Twitch qui va peut-être partir couronne de ce que je vois. Je euh, assez intéressant pour mettre de rester en vie longtemps, surtout. Pile par une Lulu. Donc, ça, ça peut te compliquer Attention, le killing directement qui est mis sur ce Yorick. Les dégâts qui sont extraordinaires. Yorick qui font comme Edge au Soleil. Le flash pour le flash. On se repositionne. Et on va très certainement mourir à la chose faite. Il euh, n'y avait pas beaucoup de counterplay ici. À moins d'avoir des, des alliés pas très loin. Bah non, on pouvait rien faire. En plus, bah très intelligent le fait d'aller mettre ce, ce Lucian contre, contre ce Yorick. Qui ne pourra même pas aller chercher cette première tourelle. Euh, qui du coup maintenant se retrouve en 0-4 face à un Lucian en 11-3, plutôt difficile. Par contre, ce Lucian qui est arrêté par l'ulti de Leona et qui va tout de suite tomber par ses Keysa, et le Jarvan qui est à côté qui n'aura rien pu faire avec cet ulti de Léona, très très bien passé. Ah, l'ulti est très très bon, hein. c'est ce qu'il faut faire. Il faut le faire un peu plus souvent maintenant, chercher le tu la couronne de la reine brisée qui a été. Complété par ce Twitch maintenant. On essaye de dépush. Attention, malgré tout, on... on va rentrer dans une phase de jeu où euh, voilà, les, les, les T2 vont, vont être importantes, justement. Mais il ne reste plus que la T2 top, qui est déjà un peu entamée du côté de chez les Penguin, Alors qu'il en reste deux full life du côté de chez Plopfish. Il en reste deux full life. Hein, on peut voir que, que les objectifs, euh, les shopdowns d'objectifs sont arrivés. Ça veut dire qu'il y a, il y a un, un écart au gold. Ils le savent, qu'ils sont en retard. Ils le savent, qu'ils peuvent plus se permettre de, de, de jouer un peu. Bah, J'allais dire n'importe comment. Ils ne jouent pas n'importe comment, évidemment, mais ils ne peuvent plus se permettre de faire de grosses erreurs. Mais par contre, il a raison d'aller chercher cette première tourelle, c'est sûr. Il ne doit pas s'en priver. Mais par contre, il, il faut qu'il fasse attention. Attention par contre on met tout sur ce Jarvan, Jarvan qui va être pris à partie, mais qui est très tanky, par contre, le killing qui aura eu raison de ce, euh, cette Leona. Par contre, attends, le go -in de euh, de Vex c'est assez audacieux. On va flasher directement pour récupérer un deuxième kill ici. Le Xin qui va être préparti on va flasher directement, mais on n'a plus rien pour s'extirper du combo. Et de l'entre-deux, ce Jarvan. On va essayer de tout mettre sur Solution Nexos qui a été mis peut-être un petit peu trop tard. Et qui va tomber triple kill sécurisé par solution. Attention, on sait audacieux de passer par ici. On a par contre peu d'HP. On va rester en vie. On va rester en Vie quelle action, quelle action ça a été un peu tous les sens à droite à gauche et pourtant il en sort encore que la BFF gagne le trade et c'est un troisième dragon récupéré. Ça s'annonce très bien pour la part des BFF. Oui c'est vrai qu'on a voulu tout mettre sur ce Jarvan mais on n'a pas fait attention peut-être au stuff parce que on a euh, Chimicoskaphon plus cœur gelé plus Sdrinker plus les tabis. On est très tanky pour ce G4, donc attention à ça. Attention à ça. Par contre le par Horn contre... qui est bloqué en top side, un V3, mais c'est un Horn, c'est un Horn qui tank avec double item défensif. Attention cette ulti qui est utilisée oh, sur cette Leona, le flash qui est utilisé mais qui va pas s'en sortir, le double bump et la Leona qui va finir par tomber par ce switch en bot side. Donc, on continue avec le Lucian qui permet d'aller chercher ce Vex, cette Vex pardon et bah voilà le horn on l'avait dit il est en qui et il nous l'a montré avec euh, on peut voir quand même c'est waouh les dégâts. Oh très bonne stopwatch là. Wow. la pas bloqué ça waouh la stopwatch très très bien utilisée je m'y attendais pas je, je la voyais morte honnêtement et euh, très très bien joué de sa part d'aller chercher en plus euh, ce Lucian comme ça franchement très très beau move de sa part audacieux mais ça passera cette cagole d'avance pour les Blobfish forever 3 Drake à 2 ça commence à être compliqué pour les power penguins on a du mal on, on se sent un petit peu euh, euh, décontenancé je dirais oui c'est euh, assez d'accord mais ben, le, le souci là ça va être dur de, de continuer dans, dans cette phase de cette phase de jeu où les les ont, ont vraiment l'avantage sur toutes les lanes et là ça risque d'être compliqué de s'en sortir il faut pas se démotiver euh, c'est toujours possible on l'a vu sur LoL des retournements il y en a énormément je on sait très bien qu'ils peuvent s'en sortir parce que même Yorick en 0-4 c'est quand même un Yorick avec un avec deux euh, trois items pardon non deux euh, items et demi exactement oui euh, oui deux items et demi euh, ce Ulbreaker bon Dommage qu'ils ne puissent pas avoir un peu cette avance. Par contre, attention les dégâts. Voilà, je l'avais dit. Il permet de mettre des dégâts. Ça un cool ce qui va permettre de tanker ce R. Mais attention parce qu'il y a le Jarvan oh, qui trahir. arrive et ça, il a pas l'information. On n'a pas de flash sur ce Yorick. Justement, si on avait un flash ou à peine, on l'a récupéré. Par contre, on essaie de punir avec un Achor à l'opposé. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas le Jarvan. Il faut le faire très très vite. Il hein. ah, faut le faire très très vite. J'espère qu'ils vont avoir des dégâts. En tout cas, euh, bah, les dégâts, ils l'ont. Par oh, contre, le Horn qui utilise cette ulti qui ne me permettra pas de toucher quelqu'un, l'ulti Leona qui va passer, qui va faire des dégâts. Attention à cette Lulu qui permet de survivre l'ulti Jarvan qui coince un peu tout le monde. Ça se topoise très, très bien utilisé. Et là, et là c'est le, le bazar, le Horn qui permet d'aller chercher ce kill, ce double kill aussi du Lucian. Et c'est encore un move à l'opportunité, à, à l'avantage des BFF. Est-ce que c'est la fin de game Probablement le, le push, bah, dépush de Yuri qui existe, mais contre un Nashor, ça me paraît compliqué. On a vu hein, pendant le fight euh, le Xin qui a continué de taper le Nashor. On aurait, je pense, qu'il aurait, aurait fallu tout arrêter pour aller euh, bah, faire front commun euh, envers, euh, en, envers, le move qui était en train de, de, de se faire. Bon, c'est ainsi. Alors on met la cooling. On essaye de, de de dégager, si je puis me permettre, euh, ce Yurik. Yurik qui ne peut, voilà, peut pas dépush. Hein. Là-dessus, c'est compliqué. On a Vex qui est là. Par contre, on essaie de tout mettre sur ce Nexus. Le Nexus, tu, tu prends tarif. Tu ah, le, Nexus... Ah ouais, le Nexus. Pris, et, là. Euh... Ah ouais, le Nexus qui pris là. Ah le Nexus qui a été focus. C'est bon, bah, première game à l'avantage de Blobfish, en tout cas. GG à eux. Un beau visage de la part de l'équipe de, de Blobfish Forever. Un, un beau visage très bien joué pour, pour cette équipe qui euh, du coup n'a pas euh, bah on en avait parlé qui, qui n'avait perdu que deux games du durant, durant toute cette euh, durant toute cette compétition très très bien joué de leur part encore ce soir ils nous ont prouvé qu'ils qu étaient capables de, de de gagner des games et nous l'ont montré euh, franchement on ne peut on, on peut le dire ils ont un peu mené le jeu du, du début jusqu'à la fin c'était quand même bien joué de leur part. Après, on, on sait que, que de l'autre côté, euh, ils ont quand même eu du répondant, il y a eu quand même de très beaux moves il y avait quand même deux qui euh, qu'ils ont réussi à récupérer. Il ne faut pas les enterrer tout de suite si... si, si euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense pas qu'il faut les, les enterrer tout de suite. En tout cas, euh, ça a l'air de plutôt bien se passer. Enfin, même si c'était une game perdue, je pense que ça, ça peut avoir un beau retournement de situation après. Oui, non, rien rien n'est perdu. Euh, première game qui a été euh, fait euh, pour, euh, pour Bluffish Forever. En, en attendant, on a, euh, on, on a des équipes qui... Euh, qui ouais, c'est c'est de t'inviter. Voilà, tu es là. Hop là. On, on, on a peut-être du mal, hein, euh... on, on a vu que... Il y avait de l'idée dans les moules. Euh de je sais pas pingouin mais on s'était un petit peu euh, euh, laissé euh, marcher dessus gratuitement, on n'a pas osé, on s'était on, on a peut-être voulu se débattre un peu trop tard. Attention à ça. Bah, attention, attention à, à ça. ça. Mais je sais pas si tu es d'accord avec moi mais je pense que là où s'est fait une grosse partie du jeu, ça a été dans cette draft. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ce top side qui permet de bien contenir ce Yorick euh, derrière ce, ce Lucian qui a été euh, de bien temporiser cette vex et même de prendre l'avantage ce Twitch qui a permis beaucoup de roaming et tout ça euh, grâce un peu à, à cette draft, moi je pense que la draft a on peut dire genre a mis un peu l'avantage sur, même beaucoup l'avantage sur ces BFF je ne sais pas ce que tu en penses oui, oui je suis assez d'accord je, euh, je suis assez d'accord là dessus après, bon, euh, la, la draft, elle a été surprenante. Ça passera pas deux fois, je pense. Non, ça c'est sûr. Euh, mais bon. Alors, je sais pas si, si hum, tu es d'accord. Euh, mais du coup, voilà. C'est ce que je pensais. On, on va vous, vous reprendre assez rapidement. On va faire une, une petite pause et on va revenir très vite. Et du coup, je vous dis à bientôt. À tout de suite, oui. Yeah Et re, on est reparti euh, pour euh, cette deuxième game. Euh, du coup, cette première game qui s'était euh, très bien placée pour la part des BFF. Euh, du coup, je sais pas si euh, vous êtes... Euh, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais en tout cas, la, la game qui va bientôt redémarrer. On a hâte de voir ce qui va se passer. Euh, du coup, euh, l'équipe... Euh, Maintenant, du coup, je crois que les pics des Pingouins qui sont en, en red side, si je ne me trompe pas, et l'équipe qui est BFF qui, qui est en blue side pour euh, cette deuxième game. Non, mais euh, absolument. Donc, euh, re. Voilà, je me permets, je prends la parole sur euh, re. On a euh, bah, les fans de euh, Blockfish Forever dans le chat qui doivent être euh, en feu chez eux. En feu, je ne sais pas. J'espère pas qu'ils sont en feu parce que dans ce cas, il faudra aller à l'hôpital. Mais j'espère qu'en tout cas, ils sont contents. Mais euh, on, euh, on va avoir une deuxième game. J'espère pour Power Penguin que ce ne sera pas la dernière. Après, euh, pour, euh, pour Bluffish Forever, voilà, euh, ils ont l'habitude de, 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 de gagner leur BO. Est-ce que bah, Power Penguin arrivera à tomber ce géant, si on peut dire ça comme ça, ou pas bah, Je ne sais pas. On, on se le demande. Euh, J'espère qu'ils ils vont nous proposer une petite troisième game, euh, du moins, euh, pein, enfin, nous on est là pour voir du beau jeu, c'est ce qu'on attend de, du moins des des deux équipes sur cette première game. On a quand même eu de très beaux moves, de très beaux combats, on a hâte que la deuxième game se lance. Et du coup, euh, j'ai entendu que euh, la pro draft se lance tranquillement et on va aller voir ça de plus près. Oui, bien sûr, on va aller voir ça de, de plus près, euh, à voir comment ça va être euh, ça va être décidé tout ça. Est-ce que est-ce que va être encore up Est-ce que ce euh, Twitch sera encore up à voir. Bah, à voir. à voir à bah, voir cette Senna et ce Viego qui sont écartés directement on euh, bah voilà, on les a pas aimés. <laughs> on les a pas forcément aimés sur cette première game. Euh, C'est compréhensible. Ils ont fait des dégâts, ils ont fait mal. Euh, du coup, j'ai plutôt hâte. Euh, ben, sur cette première, on ne les a pas vus, mais du coup, je pense qu'ils font des dégâts. On continue sur ce Ezreal et sur cette Camille. Euh, ils n'ont pas forcément changé de comment dire, Ils ont pas forcément changé de ban, mais je pense que ça risque d'arriver sur les prochains bans. Je pense que le Shen, il faut l'enlever ou alors il faut le prendre en considération dans cette draft. Attention bah ouais. À ça. Ouais, il faut le prendre en considération. Euh, ce, ce Luciane qui avait été problématique. On avait ce Horn aussi qui faisait beaucoup de dégâts. Et voilà, on le voit directement. Cette Kai'Sa qui sera enlevée du côté des BFF qui n'ont pas forcément apprécié jouer contre elle lors de la première partie. Même s'ils ont réussi à gagner euh, la game, euh, Kai'Sa elle a fait des dégâts. Elle a fait mal. Elle était plutôt bien. Je crois qu'elle avait un score positif du moins à la fin de la partie ou, ou, ou très très près. Et ça va être un Yasuo qui va être écarté. Est-ce qu'on voudrait pas... Euh, J'allais dire jouer Vex. Bah non, du coup, Vex est un, un compteur de Yasuo. Euh, bah non, du coup, je ne sais pas quel personnage on va plutôt euh, aller cibler. Je ne sais pas. J'attends euh, que le premier euh, pic soit lock du côté de chez BFF pour te donner une information. Euh... J'attends qu'on ne se tourne jamais sans, sans, sans parler de triche. Mais voilà, voilà cette Diana a été up. Voilà, C'est ça que je voulais dire. Et elle a été choisie par Bloodfish Forever. On l'a pressenti. Bon Bagnazo. On a une bonne lecture de la draft d'un côté comme de l'autre. Maintenant, il faut prendre en considération cette Diana. Et il va falloir jouer contre. Donc, jouer intelligemment. Bah oui, il va falloir jouer intelligemment. Ce R qui met beaucoup de dégâts. Et on va reprendre ce Jarvan du côté des NPPT. Ah non, on va le prendre, mais dans l'équipe, dans ce Jarvan qui va être du coup présent dans l'autre équipe. Euh, bah voilà, on l'avait vu, problématique. Et ce trash, très bon pic. Euh, et qu'est-ce qu'on va apporter avec ce trash C'est pas... C'est bien pensé, pardon. C'est euh, là, On peut mettre un peu tous les décès qu'on veut. Un ce Jinx, Miss Fortune ou autre. Ah, attention, tu as changé de scène. Oui, oui, j'ai pas fait exprès. Ah, bon, je faisais quelques en petits réglages. t'en prie c'est pas grave. Donc, euh, on monte pas grand-chose sur cette bot lane et je pense que le pic à devrait presque être retardé de la part des de Power Penguins. À voir, on va prendre cette Caitlyn. Est-ce qu'on une Caitlyn Morgana C'est pas improbable, mais c'est vrai que Caitlyn Thresh aurait été très dérangeant, Donc, au défaut de ban cette Caitlyn, on va à la lock tout simplement. Bah oui, comme ça au moins, c'est sûr qu'ils ne l'auront pas. Après Trèche, ça a quand même d'autres synergies, on, on le sait bien. C'est un des, des plus forts supports. Euh, moi, en tout cas, il me fait peur, euh, mais en tout cas, là, ils vont pouvoir du coup sélectionner peut-être un support pour aller avec cette Caitlyn, et ouais. ça sera cette Morgana. Euh, très bon pick. Très bon pic, bah, j'en ai croisé une très récemment en jungle. <laughs> on a ce flex, ce pic, mais bon, on a déjà cette Diana. Euh, Morgana plutôt fort quand même, avec euh, cette cage qui dure beaucoup trop longtemps pour moi, <laughs> mais qui marche plutôt bien. Euh, ça, ça risque d'être une sacrée bot lane. Une sacrée bot lane, et on va lock tout de suite ce Xerat. on va laisser un peu de mystère sur la décarie. Attention déjà deux voire trois banes potentielles pour les ADC je pense que ça va peut-être continuer. Euh, alors on peut-être se focus sur la top lane, que sais-je, mais en tout cas pour revenir sur cette bot lane Kathleen Morgana, une, on veut jouer la lane, on veut jouer agressif et surtout on veut aller enlever euh, un potentiel euh, snowball du côté de euh, Penguin Donc attention à ça, On, on, on voit, hein, il reste plus grand-chose en ADC là euh, je pense que déjà on est obligé de jouer avec une purge du côté de chez euh, Power Penguin Team sur, euh, sur la décarine là je pense que c'est une obligation oui je pense aussi mais on voit euh, mais quand même Yon... bah on voit quand même Yon euh, Yasuo qui ont été écartés ils veulent pas voir ces euh, champions en top side on a ce, ce Xerath qui est utilisé euh, du coup qui va être sur la mid lane euh, on a, voilà, ce Gnar. Très, très bonne réponse sur, pour ce top side. On n'a toujours pas sélectionné cet AD carry. Ouais, et je comprends euh, pas, pour être tout à fait honnête, euh, on, a, on, on préfère blind pick le top et donner le counter pick qu'on avait déjà sur cette bot lane. Je... C'est très, très dommage ici, parce que bah, on... je ne vois pas pourquoi. Et je ne pense, pense pas que ce soit une bonne idée Ouais, bon, euh, c'est les équipes ont, ont décidé ça ainsi, hein, mais à voir où oh, le blanc Zerat Zerat va avoir beaucoup de mal, je pense, dans cette phase de lane. Après, avec le temps, il aura la range et il aura des dégâts, donc il pourra vraiment tenir cette le blanc Mais là, au top, on a ce Gnar et on peut le counter de bien des manières. Après, c'est sûr, Gnar, Gnar peut se faire counter top. Après, voilà, par exemple, par rapport à un 7. Mais euh, Gnar, c'est quand même un personnage qui, qui dépend de son équipe, qui, euh, qui, a quand même, euh, qui, est, qui est assez difficile à jouer, mais euh, qui, peut, qui peut être très très fort. Et même si on essaye de jouer un counter sur ce Gnar, peut-être que ça ne sera pas forcément à l'avantage de, de la team. Peut-être que ce Gnar ne euh, va pas jouer comme on pense qu'il joue, en fait avec, avec peut-être du roaming et en fait, on ne peut pas savoir comment, euh, comment la game va, va se passer. Mais en tout cas, ça a été un Draven qui a été sélectionné pour la bot lane, du moins pour accompagner ce trash. Euh, Pick aussi compliqué à jouer, mais très, 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 très fort. Oui. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Euh, euh, je, je, suis, euh, je suis perplexe quant à cette... À cette fin de draft du côté de chez les Power PowerPenguins, on a ce, ce, ce pick Draven qui a été pris en dernier, on a ce gnar en blind, et je te poserai une seule question, comment on tue ce set Bah, c'est sûr, c'est compliqué d'aller chercher ce set, mais euh, un set contre des persos à engage, bah écoute, euh, c'est fort, ça, ça reste fort dans tous les cas, 7. Mais 7, bah, euh, Draven a quand même beaucoup de range. Je sais que 7 peut, peut courir assez vite parce que bah, j'ai été un, pendant un petit moment main ne 7. Mais euh, je t'avoue que 7 contre Xerath, en fait, il y a de la D, il y a de la P. Il faut vraiment qu'il soit tanky. Du coup, il ne va pas pouvoir faire forcément beaucoup de dégâts. 7 euh, face à cette compo pas forcément, ok, c'est fort contre le Gnar, mais contre la compo en général, je suis pas sûr que ça soit le, le meilleur pick à, à, à choisir. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, euh, je suis pas vraiment d'accord parce que 7, euh, même s'il part full tankier, il aura des dégâts euh, astronomiques en plus brut avec son euh, Z, si je ne dis pas de bêtises, oui. Donc, euh, 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 non, mais je pense que le, le, le pic de 7 est très très bien pensé ici parce qu'on peut renvoyer Jarvan, on peut renvoyer, renvoyer Tresh, on peut renvoyer ce Gnar. La phase de haine peut peut-être être un petit peu délicate pour ce set pour ce, ce, ce décidément. Mais euh, bah, en fait, je ne pense pas que Draven aura l'occasion de DPS ce 7 avec une Leblanc, avec une Diana, une Morgana. On n'a pas assez de range et surtout, bah. On peut pas... Non, je pense que ça va très très compliqué. Et ici, je pense, en tout cas, j'espère pas pour cette équipe qui, ils peuvent peut-être un petit peu payer ce plan pique nard. Je leur souhaite pas. Mais ça me laisse supposer ça. Parce que ce Jarvan qui a été pique relativement tôt, même si on avait l'information de Sadjana, eh bien, là tête J4. Si J4 ne part pas, tant qu'il jamais pu engage bah ouais c'est sûr jamais, euh, jamais peut engage après euh, en fait quand on regarde la, la compo euh, à droite du coup euh, on a ce, ce trash et ce trash je sais pas il peut se servir un peu de, de tank aussi et, et être en, en frontline et du coup permettre aussi de, de protéger un peu toute sa team. Et peut-être permettre d'aller DPS sur 7. Du moins, c'est ce qui me laisse penser. Par exemple, en top side directement, euh, en début de game, une, euh, un Thresh qui, qui va aller gank le, le Gnard. Et euh, 7 bah, aura des difficultés tout, contre, contre tout ça. Après, bon, c'est sûr, on a, on a cette Diana qui, qui a un pic euh, qui, qui va être très compliqué euh, dans, dans, ce, dans ce jeu. En vue de, de la composition, du moins, j'ai hâte de voir cette game parce que, en vue des drafts, avant, on avait vu quand même une légère différence avec euh, des pics assez exotiques. Du moins, euh, là, au niveau des drafts, je ne pourrais pas dire laquelle je préfère, même si, évidemment, je préfère toujours un peu celle, de, celle des Bloodfish Forever parce que c'est Diana très très fort, Morgana Leblanc et Caitlyn, des persos très connus, des persos qui font très mal. Mais franchement, la compo de droite, elle peut surprendre. Elle, elle peut surprendre, mais euh, en fait, le Trèche, il peut pile. Mais à certaines conditions. Déjà, il, je, il faut une exhaust pour cette Diana, pour cette Leblanc. Il faut une exhaust obligatoire. Il faut un Guardian. Il faut un Solari. Mmh. Et même si Trèche a tout ça, même s'il arrive à tout mettre, je ne pense pas que ça suffise. Après, ne sera euh, pas forcément tout seul. Soir, et, euh, pour Pil, si. <laughs> il sera tout seul, justement. Parce que Gnar 4 sont dans l'ingage. Verat est dans le poke. Il ne reste plus que Tresh pour Pil pour ce Draven. C'est comme ça que je vois la composition, en tout cas. Je me permets juste de. Donc, il joue les matchs de play-off, exactement. On est en demi-finale. Et. Euh, à voir comment. Euh, comment il joue cette deuxième game. Il faut qu'il max la lanterne. Alors, c'est vrai que. Euh, la lanterne, je sais qu'elle a été up ici. Après, est-ce que tu maxerais la lanterne Après, ah, je en, sais pas. En, en vrai, la question, elle est, elle est legit hein, pour le coup, hein, parce que tu m'aurais dit ça avant le patch. Je t'aurais dit ouais, mais là, c'est vrai que ça, ça peut. En tout cas, la question se pose. Bah, c'est sûr, parce que si on max la lanterne, plus de boucliers, plus de de rapidité à pouvoir remettre le sort, euh, ça pourrait beaucoup plus aider sa team que un parce qu'on a quand même beaucoup de persos à engage avec ce, ce Jarvan et ce Gnar un, un grappe bien posé et, et ça peut aller chercher directement le, le kill, alors que ce bouclier bah, enfin ce, cette lanterne qui va être assez intéressante, mais en tout cas euh, de la compo à droite le pic qui me fait le plus peur dans tout ça c'est Xerath c'est, je crois, un des seuls persos AP. Ou, si je ne me trompe pas, du moins celui qui va aller chercher ses dégâts AP. Et, euh, bah Xerath, euh, s'il est un peu bien dans sa game, il fait beaucoup trop de dégâts à mon goût. Et en plus, c'est assez facile de toucher. Et ce stun, qui peut faire beaucoup de dégâts, j'ai hâte de voir ce Xerat sur, sur la mid lane contre... Euh, on sait le blanc. Le Stone qui a été up en plus de, de euh, comment dirais-je le euh, de Xerat. et euh, oui mes ouais. parents mais, mais bon, non avant Max c'est pas la lanterne avant euh, le Max lanterne depuis son, son petit up je pense pas que ce soit obligatoire je pense que c'est bien euh, après dans cette composition c'est pas à lui d'initier réellement les moves même s'il y a un très bon follow possible mais je pense pas que si il grave il faut qu'il appuie sur son grave ça c'est une certitude je pense qu'il grabe et ça s'arrête là. Et il reste à côté de son Draven. Et c'est à, son... à Draven aussi de faire en sorte de rester à côté de son trèche. Donc, euh... à voir après. Bon, euh, le souci qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment de quoi recevoir en face. Morgana, Diana et Seth. Avec une Caitlyn. On est très safe. Je... Non, moi je mettrais bien ma pièce sur Blockage Forever. Parce que je trouve leur composition un, un peu plus Elle a la composition un peu plus simple à jouer, tout simplement. Ouais bah comme tout à l'heure. Euh, ah non maintenant bah du coup, tout à l'heure, euh, pardon, je me suis trompé, mais tout à l'heure, du coup, c'était les, mm, les New Power Penguin qui avaient une, une compo qu'on euh, pensait assez, un peu plus simple à jouer. Donc, mais après, je suis d'accord avec toi, Blobfish Forever, ils ont une compo qui, qui est connue, qui marche à tous les coups. On va dire qui est assez présente sur, euh, sur pas mal de... Comment dire sur pas mal de, de compétitions ce, ce cette Leblanc qui cette Leblanc kathleen Morgana Seth, Diana on, on en voit aussi beaucoup euh, sur euh, plein de, de compétitions même à haut niveau etc ou même sur des games normales euh, contrairement à, à d'autres persos qui sont un peu moins vus dernièrement Kresh moi ça fait pas mal de temps que je l'ai pas vu après peut-être que le patch va permettre de le revoir un peu plus euh, j'ai hâte de voir quand même les deux compositions s'affronter parce que même si les Blobfish Forever je sais pas, je, cette draft je la sens un peu mieux euh, les New Power Penguin ont du répondant oui euh, ils ont du répondant mais on euh, vous voyait pas encore à l'écran mais ça va arriver je, je suis vraiment euh, attristé de pas voir Guardian sur ce trash parce que là, euh, Guardian, il n'y a pas d'exhaust non plus. c'est Je ne ah, suis pas d'accord avec ce choix. Euh, le, le support qui est en moi crie un peu, pour être tout à fait honnête. Euh, mais, euh... mais oui, ouais, je suis assez d'accord avec. C'est un peu dur, mais je suis un peu d'accord. Je perds un peu de ma neutralité en disant ça, mais je le dirais avec un peu de forme. La lane, sans Guardian, sans exhaust me paraît très très compliqué. Je me paraît aussi compliqué. Euh, il a l'air de vouloir faire assez des dégâts. Alors du coup, euh, moi la game qui est en train de se lancer tranquillement. Oui, Alors moi j'ai un petit problème comme. Euh, non c'est pas, euh, euh, pas un support malheureusement. C'est pas un. C'est un, un, un set top en réponse à ce Gnar et oui, oui, absolument. Le burst de, de, de Kate Morgue, ça, on n'a pas le droit de prendre l'optique glaciale contre Kate Morgue. Ça risque d'être euh, ouais. assez compliqué. Alors, la game qui vient de se lancer pour moi, je ne sais pas pour toi moi si. Moi, je suis la tu... game, là, je suis à 6 secondes, 7 secondes. Ah, je suis, je suis pareil. On est, est. Formidable. On est nickel. Euh, alors, pas je pas te montrer euh, ta magnifique oui. scène. C'est ce que j'allais faire de suite. Incroyable. Et voilà, normalement la game qui est lancée, je vérifie les BFF qui sont bien du côté gauche, si je me si trompe Wukong pas. Non, euh, malheureusement il n'y a pas Wukong. Euh, mauvaise game, monsieur, mauvaise game. <laughs> Alors, je, je retrie un petit peu les persos. Alors normalement si je me trompe pas, c'est bien comme ça que les personnages vont jouer. Mais attention à cette invade, je crois que la Caitlyn... Ne sortira on est pas. parti au E On est parti au E sur Trèche je, 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 je suis très étonné par contre parce que... On a... Euh, on a par contre le blanc qui n'a pas peur, décidément. On aurait peut-être pu se retourner un petit peu. Hein. Je, je, Excusez-moi, hein, je, je fais... Euh... Je, suis, je suis surpris aussi. Je suis... Je suis surpris, hein, mais... C'est une erreur, ça arrive à tout le monde. Mais je pense que le grapp aurait été plus. Ah, c'était le kill, je pense. Alors, non, il y a quand même le flash et le heal hein, sur Kathleen. Hein, donc, non euh, plus maintenant, mais. Je... Hein, ça... je sais pas, je suis étonné. Je suis étonné, mais euh, c'est comme ça. Euh, on demande aussi pourquoi il y a une petite. Euh... Clean. clean sur Draven, Clean sur Draven. Je pense que la clean ça, elle est nécessaire pour la phase de lane, hein. euh, par contre. Je j pense j aussi contre cette Morgana. Ouais. Oh par contre ça, ça peut être bien senti, ça a... on n'a plus de flash. Oh, on, a, on a tardé à mettre le E, c'est dommage. Le flash directement une récupération bien effectuée de la part de cette bot lane, Par contre. Bah ouais, mais... ça. Mais... Pardon. Non, ça non avait... je prie, vas-y. Ça avait plus de plus de heal, ça avait plus de flash. On savait que c'était un kill qui était assez facile à prendre. Et ils ont joué ce... ce petit trap. Très bien joué de leur part. Et ils ont joué en vue de, de leur connaissance de... de on va dire de, de summoner. Et c'est très bien joué de leur part. Donc, euh, à voir, à voir. En tout cas, on a Xerath qui a subi un peu de dégâts ici, mais qui rend un peu la monnaie de sa pièce, cette Leblanc. Allô euh, on va, dans, dans le chat, ça débat, en tout cas. Euh, Leblanc qui va flashing directement. On a l'embrasse. Non, on n'a pas d'embrasse sur cette Leblanc. Très bonne barrière. Par contre, on, on fait claquer directement ce passif. On se défend assez bien du côté de ce Xerath. On ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas faire. Oh, on se le laisse le pas bon faire, mais là le blanc n'a pas froze yeux. Hein. Oh, par contre, Mangana qui va tomber elle aussi sur cette bot lane. On a déjà 2-0 sur ce Draven avec 15 CS d'avance. Maintenant, attention, par contre, hein, au mid il faut pas rester ici. On va mourir très certainement. Et chose qui est faite par contre, le stun va permettre peut-être de prendre un kill par Zerat C'est fait le dive un peu présomptueux, mais récupération encore une fois de Draven. 3 kills sur Draven, on, on, on maximise les golds. Euh, Tresh, qui euh, sera mort pour euh, la patrie, dirons-nous sur le move. Bah oui, euh, Tresh, bah, mort, mais du coup, ça, ça permet quand même euh, d'aller chercher un autre kill et, et de faire crash cette énorme wave sous la tour, même si y a la Morgana qui est pas loin. Euh, bah écoute, je pense que c'est quand même plutôt des moves très favorables euh, pour euh, cette, euh, cette botlane qui, euh, des, des NPPT. Et, et attention à... Ah non, j'avais pas vu qu'il qu baquait. En tout cas, top lane, euh, on le savait, Gnar très très fort début de game. Euh, il faut qu'il réussisse à, à continuer cet avantage, même s'il a un tout petit retard au, au CS. Je sais pas si euh, Fleet est meilleur que Poigne peut-être. Je pense que la Poigne aurait pu être stackée facilement contre ce, euh, ce set. Attention par contre le trade, la plaque de ce qu'il va faire office. De euh, tanking, on a cette Diana qui est là en embuscade, mais suivie par ce J4. Par contre, directement, on va tout mettre sur ce Gnar. Il faut sa méga forme, peut-être ici. Il la faut pour rester en vie. Le flash qui va être consommé et on restera en vie. Un flash partout, un en jungle et un au top. Euh, un flash partout, attention au mid lane. Attention mid, ça touche, tout connecte le flash directement. On est obligé de rester safe. On... on ne meurt pas pour l'instant, mais c'est dramatique. Peut-être qu'il peut se passer au top. Euh, attention, euh, beaucoup de gars qui vont tuer. Dire... On flash ici pour rester en vie. Est-ce qu'on arrive à le tuer On va forcer le flash. Il reste en vie. Il reste en vie. On n'arrive pas à aller le chercher. C'est dramatique. Par contre, sur cette mid lane, bah comme on l'avait dit, hein, ce, ce Xerath qui va euh, qui va souffrir un peu parce qu'on directement en le grab directement dans le backshield. On va, on va se faire cash directement. Et pas sous cette tour. Ça va. On a de la chance et Draven qui met de sacré tatan. Oh le Draven est, est on fire, il a pas aimé cette première game je crois et, et ne veut pas que la Caitlyn et que, et que la Morgana puisse jouer, du moins 5 CS à 32, c'est quand même un gros avantage pour ce, pour ce début de game à, oui. à moins de 6 minutes de jeu. Euh, il faut que cette Diana ou cette mid lane aille aider la bot car là, euh, ça risque de devenir de plus en plus compliqué pour, pour la suite de la partie. Ah oh oui, ça peut être compliqué, hein. on, on est d'accord. C'est vrai que euh, je rejoins un peu le chat, Dak Dantley on aurait été un peu mieux pressenti sur, sur ce Draven. Attention, le Grab qui va connecter directement. On a cette Diana qui est pas très loin, par contre, des gars qui vont être mis, l'embrase. Aura été claqué peut-être un petit peu de trop, mais on assure le kill. Draven qui stack en tout cas bien euh, son passif. On a le, le push qui a été pris sur cette mid lane. Dra euh, ah, Diana, décidément, qui a été vue dans cette jungle, dans cette river bot, il va être pris à partie par contre. Cette euh, Diana, on va décider de directement tout mettre sur, sur elle. On va mettre beaucoup de dégâts. Ce sera peut-être pas suffisant. Le combo qui va passer, le grab derrière qui va connecter. Attention, il faut une lanterne peut-être. On laissera ce qui à Xera par contre, c'est bien fait, hein. on ne se laisse pas démonter du côté de chez Power Penguin. Par contre cette club on ici qui va connecter directement avec très très bonne barrière Morgana qui va essayer à l'époque ce j 4 et le dragon des montagnes qui risque d'être fait par Power Penguin. Ah bah ce dragon il est un peu donné avec cette botlane qui a la prio euh, qui, qui a la prio partout. On a vu que en vue de tout euh, l'enchaînement qui s'est passé avec le Jarvan, le Thresh, le stun du Xerath que la Diana n'a pas pu jouer en fait. Et ça risque d'être compliqué s'ils arrivent à effectuer de plus en plus de, de moves comme celui-là. Euh, J'ai été très surpris de voir ce, autant de CC, je ne m'attendais pas à autant. Et euh, c'est au vraiment bien de, de leur part. Ah mais c'est très bien joué, on a stopwatch de compléter hein, euh, via la rune, attention par contre Gnar qui va ne va pas respecter, on n'a plus de summoner, on va très certainement mourir, euh, J4 qui a essayé d'aller aider son mate, on n'est pas level 6, par contre Diana elle l'est tout autant, le flash directement, il manquera un peu de dégâts, flash pour, euh, pas flash, pardon pour combo c'est vrai, attention par contre c'est auto qui aime beaucoup de dégâts so -so Gnar, qui va être pris à partie, Gnar qui va tomber sous les coups de points de ce set on arrive à euh, maintenir la tête hors de l'eau pour l'instant de Buffish Forever, euh, même un peu plus que ça, parce qu'on a même une, une, le Leblanc en 3-1. Et oui, c'est dommage, ce Gnar n'a pas réussi à mettre. Euh... Oh, attention par contre à ce sniping. Ah, dommage, il manquait pas grand chose. On a mis pas mal de dégâts en tout cas euh, sur cette Leblanc. On va la forcer à vaille. On, on a une TP sur le blanc, on l'a pas commenté d'ailleurs. C'est vrai qu'on a une TP, euh, on ne l'a pas vu utiliser tout à l'heure. Mais en tout cas, je pense qu'elle a bien été utilisée. Elle est en 3-1, euh, 50 CS face à 36. Plutôt bien. Et, 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 là, et là, Kathleen qui commence à avoir un peu de farm. 22, ce <laughs> n'est toujours pas beaucoup. Face à 60 du côté de Draven, euh, on a quand même une grosse supériorité face euh, à la botlane d'en face. Alors que je ne me serais pas attendu autant. Je pense que les moves de début de game ont, ont vraiment mis bien ce draven. Ah oui, bah c'est clairement les moves qui ont été faits en early qui m'a euh, cette très très mal. Normalement, on est censé avoir une dominance sur la lane. Mais attention, par contre, il y a une qui s'avance un petit peu ici, il faut falloir respecter On claquera le heal en euh, compensation de ses R pour rester en vie. On a encore son flash, mais on, on souffre hein, pour l'instant avec une quarantaine de CSDA de retard. C'est assez dommage. Ça C'est dommage, ça risque d'être compliqué. En plus, Jarvan qui vient appuyer ce, ce bot, cette bot lane. Euh, attention à ce dive sous tour qui, qui pourrait faire euh, mettre encore plus de, de dégâts sur, euh, sur cette bot lane qui n'est déjà euh, pas si bien. On, Mais le blanc, cette, on le va blanc. voir le cicatrice directement, le combo qui va passer. Attention par contre, c'est un 3v3 maintenant. La cage qui va connecter, le grab qui ne connectera pas par contre lui. On a flash in directement. On a, on a pu... Pratiquement tuer cette Caitlyn Attention par contre il faut enlever ce R. Maintenant on a Draven qui a pu rejoindre ce fight. Il va falloir tomber. On voit que tout le monde est en CD. On n'arrive pas à aller, à aller prendre les kills. Il manque pas grand-chose d'un côté comme de l'autre. J4 très lourd et les trois autres sont low C'est dommage mais... Bien joué en tout cas. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. Euh, ça, ça fera du coup les mêmes dégâts à peu près partout. Attention parce que du coup il y a encore du monde sur cette bot lane et on voit au top que, que Imerio commence du coup à, à de plus en plus temporiser uh, sa lane. Il a peut-être été un petit peu trop imprudent au début face à ce set. Uh, je sais que Gnar, On va euh, tout mettre sur Xerath pour peut-être l'ultime. Euh, non, on l'avait pas été en CD, euh, mais on aura le dégâts suffisant pour tomber sur Xerath qui souffre beaucoup euh, de la lane en attendant. Une qui va connecter, on va prendre deux coups de tour par contre pour ça. On va très certainement briser juste après. Et oui, mais du coup, je continue sur ce Gnar qui, qui peut énormément temporiser avec sa forme de, de mini, avec ce boomerang qui ralentit le set, donc euh, qui peut l'empêcher clairement de venir. Qui a ce saut, en plus un double saut s'il fait ça sur une unité. Par contre, attention à cette bot lane. Botline directement le grab qui va connecter. On mettra même l'ultime. On n'a on pas peur. Hein. L'ultime était un peu de trop de la part de Treven. Mais pourquoi pas. Par contre, on se t'a pour changer. On va pouvoir se repositionner intelligemment de la part de ce Gnar. Cette qui est en train de dominer ce top -side en termes de CS. Attention. Attention à ça. Attention à ça. C'est dommage un Gnar, un Gnar derrière, euh, c'est dur de remonter. Euh, il a sa forme de méga. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher un trade oh, qu'il mettrait pas. à l'avantage Peut-être ici, en tout cas, on concert de très bons dégâts qui sont mis. On essaye de euh, trade comme il faut et c'est ce qu'on fait. L'ultime directement, le stun qui a été trouvé. On a cette, un ultime, par contre, pour à forcer de flash. C'est très bien joué de la part de ce par contre, mais on souffre encore une fois de cette Leblanc qui met énormément de pression sur cette mid lane. qui qu crie, là, je pense, à son jungle euh, de l'aide. Ce n'est pas évident. Alors ce ce n'est pas évident, je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, attention à cette botlane, euh, ça va se battre dans ce tribush, ou du ouais, moins pour récupérer la toucher, vision. Mais on bait avec le J4, pas très loin justement. On, on attend euh, Trash qui va tanker pour l'instant suffisamment. Et on va peut-être jouer un Herald hein, sur ce side. On va peut-être jouer un Herald, ça fera peut-être un dragon pour cet Herald, même si euh, ça risque d'être compliqué, car si on commence cet Herald... Euh... Il va y avoir du monde qui va rappliquer, comme par exemple Gnar qui arrive. Et c'est le dragon récupéré, ça fait déjà deux dragons à zéro. Dragon 0, on enlève la vision, on a failli cancel ce jump de Gnar. On va se repositionner, on offre un reset pour ce verrat, Mais on laisse la T1 bot par contre. Des plates qui peuvent être ramassées par cette Caitlyn. Attention. Attention, attention. Euh, on peut voir que la vision quand même est plutôt bien répartie sur ce top side. Là, on essaye vraiment de prendre la vision. On sait que cet Herald il peut être important pour par exemple appuyer, appuyer euh, l'avantage sur cette bot lane ou, ou appuyer l'avantage sur cette mid lane de l'autre côté le ouais. Xerath qui vient faire fuir. C'est ce qu'il fallait faire euh, un peu parce que on donne des golds à une Caitlyn qui n'était pas censée en recevoir sur ce temps de jeu. Hein. Ah non, elle n'est pas censée, mais euh, attention à ce Draven qui a décidé d'aller en. Ou bon, attention, par contre, on est assez autoritaire ici. Et blanc qui va tomber sous les coups de hache. Donc, euh, Draven qui est en 6-0, qui a pris les devants et qui veut être le carry de cette game. Il veut être le carry, il est parti en solo lane. Voilà, du moins, il était tout seul face à cette Leblanc où on savait que le. Pardon, que Glizarat a fait des difficultés sur cette mid lane et ils ont du coup tout simplement swiped. Et du coup, c'est très bien joué de la part parce que le, le, le Xerath arrive très bien à s'en sortir en botlane et ça va être la first tourelle récupérée pour le MPBT, une game totalement différente par rapport à la première. Ah, rien à voir, hein. c'est un autre visage qu'on voit de Nope Penguin Team. On, on ne se laisse pas faire, on va même faire un, un dive au top directement, c'est un peu osé. On est 4 au stop, ça va être par contre le grab qui va pas connecter. Si il connecte ici directement le flay, l'ultime, on met un très bon ultime pour se replacer directement. On claque énormément de euh, d'ultimes et on arrivera à le tomber. Par contre, sur le qui va directement aller euh, mettre tous les dégâts avec cette blanc sur ce Draven. Il faut pile, ce Draven, on n'arrive pas, à le pile, le blanc qui va ramasser ici. Très, très. Euh, oula, par contre, excusez-moi, euh, on a euh, cette blanc qui va faire un. Non, cette scène là qui va faire le ménage ici, le triple kill qui va être ramassé. J'ai pas fouillé, ramassé par cette queue blanc, euh, J'ai pas fouillé, je ne m'attendais pas à tout ça. Et à l'opposé, par contre, au vote, on a ce Xerath qui va forcer le, fl oh, le flash qui est un petit peu euh, dommage. Par contre, on va tout mettre pour essayer de le tuer et il va être récupéré. C'est un nice hein, 15 minutes de jeu. On avait de l'avance, on en a plus du côté de PowerPoint Team. Ah, c'est dommage. Cette avance a été vraiment considérable. Mais sur le move en, en topside, le set a, a tellement temporisé. Comme tu le disais, ça pouvait être un gros problème. Et ça l'a été. Il a énormément temporisé. Et, et ça a mis l'eau vraiment toute la team. Euh, même si on a réussi à aller récupérer cette tourelle, euh, la Diana est, a pu aller récupérer les kills un à un facilement derrière. Attention par contre, ici c'est le... Contre, on se fêtera peut-être ici le flash directement. C'est Diana qui n'a plus rien maintenant. On a plus le belt. Ramasser peut-être... Un petit peu de trop. Voilà. L'interruption dans les poches de ce Draven. Ça, ça fait pas les affaires de Bloodfish Forever. On arrive à compenser malgré tout. On se fait, on, on se fait voler le raid, hein, par contre. Hein. Ah, par contre, on se fait voler le raid et un raid sur 7. Euh, on sait très bien que ça fait vraiment, euh, vraiment mal avec une, une régène de PV en plus. Attention. En tout cas, euh, j'aimerais revenir sur ce move en bot lane où le Xerath avait été laissé solo lane et qui n'a pas forcément assez respecté cette lane et, et les a remis un peu bien. Du coup, euh, ça risque d'être compliqué parce que cette boîte lane qui était vraiment avec énormément de retard, a plus que 50 CS de différence, même si 50, ça reste toujours énorme. Alors, euh, attention les dégâts qui sont mis, on met beaucoup de dégâts sur cette LeBlanc. Draven aussi, on a, on a cette ici très bon flash par contre pour se repositionner. 13 qui doit être, très certainement être abandonné. Le tir de Morgana qui a été claqué. Non, j'ai cru l'entendre, autant pour moi. Et euh, oui, il n'y a plus que 50 CS d'écart, comme tu dis, entre les deux, mais il y a quand même 5000 gold d'écart hein, entre les deux ADC. c'est sûr, je suis, je suis totalement d'accord avec toi là où il n'y a pas de. <laughs> On ne peut pas contester 5000 dollars, c'est quand même énorme, mais attention à ce jarvan bon, il s'avance peut-être. Oui, ça, ça a fait y être dramatique euh, sur une cage de Morgana. Euh, ça aurait pu être euh, dramatique ici. On a 4 qui part bien tank, par contre. Et le trèche qui va trouver un grab ou la cache qui a connecté du Oh généreuse euh, la cache sur, euh, sur ce trash. on a réussi à prendre une T1 bot par contre le Xerath qui fait bien son travail ici et au top on a pris cette T1 on prend euh, pas mal de trades maintenant peut-être à l'avantage de ce gnar bah peut-être à l'avantage de ce gnar il a dû, euh, il a dû reculer euh... Ce, ce set, ils ont tout mis pour aller récupérer cette, cette first tourelle au, au top. Donc j'espère ouais. bien que ça va aider ce Gnar. Mais on en tout cas. peut-être ici directement le Grave va connecter. On l'a bien pressenti ici, sans vision. On s'en doutait. On va peut-être ramasser ce kill avec l'ultime de Draven. C'est exactement ce qui a été fait. Double kill. On prend ce troisième Drake qui annonce potentiellement. Un quatrième derrière, énorme, mais un peu de pression. Le Gnar qui est pris à partie sur le stop, ça va être pour changer. Le 7 qui met beaucoup de dégâts, le Conqueror qui a été proc. On va réussir à s'extirper intelligemment. Et on revient peut-être ici. Audacieux, au Jenna qui arrive, mais qui va être plus en avec ce Draven qui est très très bien dans sa game maintenant. Ah, il est très très bien dans sa game, c'est sûr. Le Gnar qui quand même temporise face à ce set qui. En fait, je pensais qu'il avait quand même beaucoup plus d'items que lui. Il en a un quand même, c'est. Quand même pas mal, en plus euh, on sait que c'est un item très très fort sur 7 qui permet de, une grosse régène de PV, surtout que ça aide bien être dans la mêlée. Mais attention ici, ça a l'air de s'apparaître à un type fight, mais non, ils ont bien pu reculer. Trois euh, dragons à 0, ça commence à être critique un peu pour euh, la part des, des BFF. Avec Gnar qui, malgré son 0-2, met beaucoup de pression sur top side on arrive à, à, à forcer une double décale sur sa lane. C'est bête à dire, mais c'est ce genre de pression qui peut faire la différence hein, sur des phases assez clutch. Ah, bah c'est sûr, déplacer deux personnes pour euh, pour que le gnarr, euh, Et en plus, cette pression, du coup, qui va mettre énormément de temps au set pour remonter tout en jusqu'à cette tourelle. Euh, on va pas se mentir, ça va permettre quand même de temporiser et, et peut-être. Euh, Aller jouer, euh, j'allais dire, c'était ral bah, bah, non, bah non, ça va être l'apparition du dragon d'achat, mais euh, c'est vrai que là il n'y a pas forcément d'objectif. Mais euh, on peut voir quand même que l'équipe euh, des NPPT ont trois gold d'avance. Mais attention ici à ce euh, j'ai eu peur. Attention, on a Draven trois items et demi qui n'a toujours pas complété ses bottes en deux. Par contre, mais trois items et demi avec une BF1. Euh à ne pas, euh, pas sous-estimer là une hache c'est quasiment un mid-life sur un squishy hein. autre hache ah. un petit peu tout seul par contre Kathleen, elle aussi est tout seule on va forcer le filet plus la, euh... Oh, euh, la force du vent décidément oh, là, on a une frontline directement euh, assumée par ce Draven. c'est un 5 pour 4 on a un euh, qui peut prendre son split tranquillement je pense et oui ignar qui prend son split tranquillement et ce Draven du coup qui, qui est un peu bah, comme tu dis en front lane Attention oh, là, ici La Morgana qui va être grab directement qui va être récupéré assez vite par ce Draven Un grab, un kill, on voit hein, la botlane feed euh, avec euh, le Xerath par dessus ça, ça facilite la tâche Ouh le grab qui a failli connecter directement sur cette Diana Attention par contre Xerath il commence à mettre un peu de dégâts malgré sa couronne et le top 5, pour l'instant, qui n'a pas changé. Et le top 5 qui n'a pas changé, mais on voit que, que le Gnar commence de plus en plus parce qu'il a sa Trinité. Et maintenant, avec sa Trinité, ça risque d'être assez différent. Et le bah, set qui est obligé de... Contre, ouais. Par contre, là où oui, le Covid Mondial. On à nous, trois personnes, c'est assez extraordinaire. Les dégâts qui sont colossaux au 7. Camille, très très bon casse-tête ici. On a récupéré deux kills, dont l'interruption sur ce Draven Tank. convoité. 800 gold dans les poches de ce set maintenant. On a tenté d'aller euh, un peu loin. Récupération aussi de ce qui a tenté de s'enfuir. Et euh, ce qui reste un peu trop longtemps, peut-être. La cage qui ne connectera pas. On gagne du temps, c'est un achor qui aurait pu être fait en attendant. L'exhaust ici. Oh, je pense que Gnar peu presque un V2. On va forcer le flash, malgré tout, pour ne pas que la chaîne puisse proc. Et derrière, le Nashor qui va être entamé. Ah, c'est vrai, son gnar avait son R. Mais par contre le Gnar, c'est ça le problème. C'est que son R permet de stun beaucoup de monde. Mais ne fait pas tant de dégâts que ça. Ce qui fait beaucoup plus de dégâts, c'est son A. C'est quand il envoie sa colonne. Mais sa colonne, bah, il venait de l'utiliser. Du coup, est-ce qu'il aurait pu aller tenir sur un v 2 Je ne sais pas. Mais attention. Oh, le style proposé et double kill récupéré par le Raven C'est extraordinaire. Le move là, qui était très très mal parti, qui était bien puni par ce Nashor. Maintenant, on récupère ici double kill avec un style proposé par ce J4. On va dire aller chercher le Si par contre, le de Jenna aurait pu être dramatique, mais récupération encore une fois par ce Draven. Le Qui n'aura pas réussi à aller terminer cette Morgane. Par contre, on va pouvoir prendre ce push au top et récupérer cette tête de. Probablement. Tant qu'on est. Dégâts de ce Draven sur cette quatrième. Euh, je sais pas quoi dire. <laughs> <'est>... ah ouais. <laughs> je sais pas quoi dire. Après, euh, voilà, troisième items face à un. Euh, C'est sûr que ça fait mal. Level. Euh, ah, je, je sais plus. J'arrive pas à voir les levels, mais euh, level 13 face à un level. Bah, je ne sais plus, mais en tout pas cas. Toujours, euh... par contre, on, va, on va trouver un grab ici. Le Draven, il faut pile ce Draven. Par contre, ici, les dégâts qui ont été suffisants pour cette le blanc. Par contre, celle qui va s'en mêler directement, on a beaucoup trop de dégâts qui ont été mis sur ce Draven. On manque de pile sur ce carry directement. Par contre, la tête qui est tombée maintenant, on met un peu de dégâts ici. Le gars qui va très très bon travail, qui trouvera même un stun décisif pour tomber ce set. Enfin, on a les inhibiteurs qui sont à nu, comme on dit. Mais est-ce qu'on arrivera à aller chercher les inhibiteurs On trouvera peut-être un. Euh une temporisation ici, un kill sur ce Gnar, pourquoi pas Il manquera peu d'HP. Attention, qui est activé, il manque plus que son HP directement. Chose qui est fait, on va pouvoir temporiser un petit peu, mais trouver le kill malgré tout sur ce trèche. Et derrière, c'est un dragon qui est up, mais est-ce qu'on peut le prendre Je crois qu'on va devoir être forcé de le laisser. Hein. Bah ouais, ils ont, ils ont peut-être été un peu trop loin à mon avis. Et, euh, et la problème, c'est que voilà, TP de Leblanc, et, et c'est quand même un, un dragon qui aurait permis d'avoir la, la soul. Je ne sais pas si un inhibiteur e contre la Soul, euh, si, si ça vaut. En tout cas, c'est 5 bon, minutes encore de, de décalé euh, avant cette Soul. Est-ce que du coup, le Nashor qui apparaît dans 4 minutes euh, Là, il va falloir dépush il va falloir survivre le temps que la game recommence. Mais la game n'est toujours pas finie. Il y a 5 gold d'écart. Mais euh, bon, franchement, je pense, honnêtement, Ok, cette Kaitlyn qui a, qui a beaucoup de retard sur ce draven, mais elle est quand même en 4-4, enfin, c'est quand même assez correct. On peut voir qu'à part le, le draven qui est vraiment gigafide, on peut le dire, euh, ça reste quand même le personnage le plus compliqué et on l'a vu dès qu'il tombe, bah, la team tombe avec. Oh, attention, oui, c'est le draven qui ne connectera pas. On... Cover Soxerath, le stun lui va toucher. On met un peu de dégâts ici, c'est bien joué. On décale à 5 directement. Pour Onjana qui a un petit peu euh, d'âge qui est forcé à proto mais directement directement l'ultime de ce J4 pour aller emprisonner. Par contre, on a un très bon Zonia ici. Est-ce qu'on peut aller go peut-être pour trouver les dégâts suffisants Draven va s'en charger et on va pouvoir prendre directement cette T2 avec le que le Sbire canon On a une équipe de BFF qui souffre un peu dans cette game. Ah bah là, elle souffre, elle souffre. On a vu que pour l'instant, la Diana arrivait à survivre. Et le Draven a mis deux H qui, qui a fini euh, à sa vie. C'est dommage parce que sans le Draven, euh, pendant un moment, il était un petit peu loin. Ils n'avaient sûrement pas l'information. Mais du moins, le Draven... Euh, N'aurait pas été là, ça aurait été quand même une histoire complète. Pour le fait final peut-être ici directement. Les dégâts, on met tout sur ce set pour essayer de tomber. Par contre, très très très, très lourd dégâts proposé. J4 qui a failli mourir. Par contre, on a pris une première T4. La deuxième, probablement. On va se repositionner dans la fontaine pour prendre un peu d'HP. Le Grave qui ne connectera pas. Par contre, les HP de ce, euh, de ce euh, Gnar qui vont permettre d'aller trouver un stun sur quatre personnes. C'est allé si vite, pardon. Je bafouille, je bafouille. Et game récupéré par. Ah, les Power Penguins tout simplement. Et oui bah du coup c'est la game de récupérer. Bah écoute 1-1, balle remis au centre, très bien joué de la part des, des deux équipes. Euh, bah écoutez euh, on a eu quand même une grosse game euh, sur la première game, grosse avance de la part des excusez-moi de la part des des Bob des blobs fish forever. Et là, euh, les New Power Penguins ont montré qu'ils avaient du répondant. Ils ont montré qu'ils pouvaient aussi euh, réussir à gagner des games. Et, et franchement, bah, nous, on va se retrouver avec une troisième game qui pourra être, euh, être tout aussi intéressante. Hâte euh, de voir euh, comment elle va se passer. Hâte de voir, en effet. Euh, bah on a un peu qui a montré un très bon visage ici, on ne se laisse pas faire. On, on, on a montré, euh, plus, que crocs. On, on a montré euh, plus que les pros. On a montré plus que les pros, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, ils ont été solides, ils ont su ouais. faire, on avait peur, toi du coup tu avais peut-être un petit peu peur de, de leur composition, du moins de, de ce trèche. Mais, euh, mais voilà, ils ont montré qu'en fait c'était quand même possible de réussir. On va pas se mentir que les moves en début de game ont totalement changé la game. Du moins c'est ce, ce que je pense. Et, et je suis quand même heureux de voir que, que les pingouins ont du répondant. Exactement. Et a priori, on va lancer une petite pause, mon petit Xanax. Je suis, je suis assez d'accord avec toi. On va lancer une petite pause et on va vous retrouver très bientôt. Et re, euh, du coup, re bonsoir. On est de retour euh, avec euh, mon cher Tréonome pour euh, terminer sur cette dernière game. Donc, euh, on le rappelle, demi-finale euh, de la division 8 Bluff Fish Forever contre les New Power Penguins. Euh, première game, deuxième game surprenante. Un partout. Les deux équipes ont très bien joué leur game. Hâte de voir ce qui va se passer pour la troisième game euh, de, ce, de ce BO3 qui va permettre à l'équipe gagnante d'aller chercher cette place en finale et peut-être de gagner le titre. Ah, oui, on n'y est pas encore en finale, on n'y est pas encore, mais euh, ça, ça, ça arrive tout doucement. Mais sûrement... Euh à voir comment euh, ça va être géré de la part euh, des euh, Power Penguin Team et de Bloodfish Forever. Là, on n'a plus le droit à l'erreur. Hein. C'est la troisième game, c'est bah, la, la last, hein, comme on dit. Bah ouais, c'est la last, c'est la game, euh, la game plus importante du, la plus importante du BO. Et en effet, bah, c'est celle-là qu'il ne faut pas choke. Euh, on a le droit à une erreur de, de chaque côté, mais par contre, il faut en gagner deux. Et, et là, bah, franchement, euh, je pourrais pas forcément te dire qui, est, qui va gagner la game ou non. part euh, ah bah sur la draft, c'est encore plus compliqué. En effet, là, la draft a commencé, mon petit Xanax. Ah, excusez-moi, je, je vous mets tout de suite la draft. Je n'avais pas eu l'information. Et la draft, du coup, qui est commencée. Et on peut voir un ban Camille et Senna qui est assez euh, récurrent. Et ce ban Viego aussi. Oui, on repart sur des choses un peu plus euh, classiques dans les bannes. Pas de surprise, hein, vu les deux premières drafts ici. On, on, va, on va avoir des équipes qui. Maintenant, bah, tu sais, la troisième game, tu connais l'équipe en face. Ça, tu connais. Il voilà, y a eu le cheese avec le Twitch, avec ce Luciano Mid. On, on a eu cette, cette botane très agressive qui a permis d'aller euh, chercher une, une victoire sur cette deuxième game de la part de, 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 de New European game Team mais euh, on, on, on s'est un peu euh, voilà on s'est un peu découvert et bah là bah c'est un peu les nerfs qui parlent ah ouais c'est là ça va vraiment voilà euh, par contre on on a cette Diana qui est écartée qui qui a été euh, très très bien jouée des New Power euh, enfin des Penguins tout simplement qui a non, joué le de leur bleu, part Bluffish Forever ah oui c'était les Bluffish ah oui excuse-moi oui. bah du coup ils bannent leur pick et ce Yasuo qui est pris, on n'en a pas encore vu, le pic Jarvan qui est sécurisé pour les pingouins, plutôt intéressant euh, la choix de, de ce first pick Yasuo. Attention à la réponse d'une Vex par exemple. Ouh là là, Yasuo Wukong, ça promet. Ça promet des choses. Des là, il là, n'y avait pas d'exos la game d'avant, mais là il en faut une. Là c'est primordial. Là, sinon ça va être dramatique. <laughs> Ah là, ça va être dramatique en plus ce Wukong, bah, on ne sait pas encore s'il va juste être joué top ou, ou jungle. On sait que c'est devenu très fort de, depuis qu'il il peut passer les murs. Il euh, y a eu un patch où, où son clone, bah, il peut passer les murs. Assez intéressant. Et ce Mort de Mordekaiser qui est là pour répondre. Mais attention à pas se faire avoir parce que ce Wukong est peut-être jungle. Et euh, peut-être en, en jungle tout simplement. Ouais, peut-être oui en tout cas. Le euh, mort de Kaiser et Locke. Maintenant, peut-être cette mid lane qui va être choisie. Mais alors, que prendre contre Soyazuo Peut-être de la range Peut-être du poke Et ce Xerath, justement, voilà, je pensais à lui. Est-ce que ce sera. C'est pas la meilleure réponse contre un Yasuo mais je comprends l'idée de jouer de très très loin. Ah, je pense pas non plus que à... c'est pas la meilleure réponse, parce qu'on avait vu en première game une Vex. Et Evec, c'est vraiment le counter parfait pour, pour Yasuo, du moins bah, je suis d'accord. C'est pas difficile à jouer quoi contre un Yazuo. Et on a ce Darius qui va être en réponse de ce Mordekaiser, du moins. Je pense que ce Darius va être top. On aura bien sûr Wukong Jungle. J'ai hâte de le voir. Pour l'instant, on n'a pas d'AP, mais ça ne semble pas un problème parce que bah, on a beaucoup, beaucoup de dégâts. Actuellement, du côté de euh, Blufffish Forever, on s'est voilà, on, on s'était un petit peu précipité, euh, engouffré dans euh, ce pick Mordekaiser. On a peut-être dû attendre un peu plus longtemps. Et on va continuer avec bah, ce ban ça, euh, du côté de chez Blufffish. Oui, je crois que les, les Penguins n'ont pas anticipé que ce Wukong aurait pu être Jungle. Parce que Mordekaiser contre un Wukong, c'est vraiment un, un gros counter-pick. Du moins euh, en, en, en tant que lane. Du coup, c'est dommage parce que bah, Wukong, euh, gros potentiel à Jungler depuis, euh, depuis la méta. Darius, beaucoup de dégâts. Euh, franchement, ça s'annonce une très très grosse draft chez euh, les BFF. Et, et rien que ces trois personnages-là, ils, ils me font bien peur. Là, il faut, il faut de quoi kite et de quoi jouer à reculons. Et euh, je pense qu'une Jinx peut être très intéressante. Là, euh, euh, il, nous faut, euh, il nous faut un hyper carry euh, du côté de chez... Euh... Aïe, 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 aïe. Cette Nami qui a été lock, ça l'a supposé peut-être un Lucian derrière. Hein Lucian-Nami, on connaît. On connaît, on connaît. Et du coup, peut-être qu'ils peut qu vont vouloir piquer le Lucian pour enlever ce Lucian-Nami. Euh, franchement, je ne sais pas. Lulu, Lulu qui a été, qui a été enlevé... On a Jean euh, et Keisa, donc euh, on sait déjà qui on veut jouer chez les BFF. Et c'est un trèche qui, qui va être réutilisé, si je me trompe, pour les, euh, pour les MPPT. Pour les New Power Penguin Team Oui, ça va être un trèche de Locke. Là, il faudrait un hyper -carry. On, en, on serait peut-être tenté de prendre ce ci pour l'enlever, le, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Je, je pense qu'il faut un hyper carry à ça. Il faut... Euh... Voilà, on peut prendre peut-être ce Draven, encore une fois. Hein, Draven qui, peut... voilà, voilà, qui avait fonctionné et qui a été lock. Ah, tu vois, là, c'est assumé. Et là, c'est « Allez-y, prenez Lucian, allez-y. » Et on verra qui aura le plus de dégâts. C'est un peu, euh, un peu ce, qui, ce qui est dit, là, si on lit entre les lignes. Hein. Ah, je suis d'accord avec toi. Ils incitent à prendre ce Lucian qui n'a pas été ban. Euh... En plus, Lucian, bah, très bon pick. Euh, mais. Non, je pense Ah, Yasuo est bot. J'allais dire, je pense qu'il troll... Qu troll ou un Wukong Non, c'est 100% un Yasuo bot. Et eh ben écoute, ça aurait été un flex, un flex pick jusqu'à la fin. Oh, du moins, je, je ne m'y serais vraiment pas attendu que ce, ce Yasuo ouais. allait, allait retourner bot. Oh, par contre, en si vue Yasuo de... bot. Euh... Là, je sais pas. <laughs> je sais pas trop. <laughs> Ouais, ça, 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 ça retourne un peu euh, toutes les situations. Parce que ça, ça m'aurait encore, euh, encore moins surpris qu'un Wukong Bot. Parce que Wukong Bot, ça commence à être aussi joué. Euh, Wukong Jungle. Mais euh, le sous Bot, c'est dommage parce qu'ils avaient quand même un, un fort potentiel, du moins avec la, la, la draft qui s'annonçait qui est je bah, je veux pas dire qui, qui a été anéanti hein, parce que c'est totalement faux la draft est quand même assez forte et euh, on a hâte de voir ce qui ce qui va se passer euh, mais du coup hop là c'est plutôt cette scène là qu'il faut que je mette ah, mais euh, oui. mais du ah, coup c'est pas les bons côtés encore non. voilà là c'est tout bon ah oui je sais bien ce que je me disais moi je, me regarde, je me regarde par rapport au stream donc euh... <laughs> Il y a un petit peu de délai, euh, mais oui, oui. mais euh, ouais. Du coup, pour venir, euh, Yasuo bot après, on le connaît. Hein, Yasuo, c'est un Yasuo, ça reste toujours fort. Et, et du moins, ils ont bien surpris leur adversaire. Et, et je pense tout le monde ici, euh, si je me rappelle, c'est un Yasuo contre un Draven Tresh. En vrai de vrai, est-ce que le, le R de, de Draven est, est Arrêté par ce, ce wall de Yasuo. Oui. Il y a du répondant, du coup. Je pense que ce Yasuo n'est pas si mal réfléchi que ça. Non, c est, c est, non, 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 pas du tout. Euh, je, pense, non, je pense que les, les, les équipes ont, ont bien, euh, ont bien On réfléchi à oui. ça. Mais euh, non, le. Le, 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 le souci qu'il peut y avoir, par contre, c'est. Euh, bah, on veut teamfight euh, du côté de, de, de Bloodfish Forever, c'est une certitude. Mais attention à ça. Au top, ça peut être très compliqué. Je pense que Mando va très. Très. Euh, oh là, je, je confonds tout. Va très souffrir, pardon, sur ce top side. Dans la jungle, c'est pas évident. Je dirais avantage Wukong. Mais pas sûr, sûr. Au mid, par contre, contre Kassadin. Euh... C'est un matchup que j'ai pas trop trop vu Mais je dirais early Xerath et plus la game avance de toute manière plus bah, c'est euh, ce Cassadin qui va aller euh, trouver euh, le late hein. En tout cas toi tu vois pas de Cassadin bot side on est d'accord Alors si c'est Cassadin bot side je vois pas comment il joue la game Mais... Non c'est Inc. qui a pris Yasuo donc... Euh, euh, il sera très certainement euh, adc Ok euh, bah écoute, tant mieux, parce que c'est vrai qu'un casse dans votre side, euh, je ne vois pas comment. Euh, oh bah je pense qu'il se tire une balle pied là par contre, euh, s'il si met le casse bot. Oui, c'est sûr, et je pense la même chose. Euh, en tout cas, pour le rappeler, euh, Wukong, euh, une une... qui a une pénétration d'armure, qui pourra aller chercher sûrement ce Jarvan et ce Mordekaiser à l'aide, bien sûr. De, de ce Darius. Euh, Wukong très 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 fort. Euh, peak peut-être sous-estimé en ce moment. Je pense qu'il va remonter vraiment dans les classements parce que c'est un pic qui, qui est très très fort. Euh, Darius, bon, on le connaît, capacité de clutch, 1v2, euh, son ultime qui est, rechar enfin, qui est rechargeable, qui, qui permet d'être stacké, du moins euh, d'être réutilisé s'il arrive à aller chercher un kill. Et, euh, et les gouttes de sang qui se stackent, le passif très très fort. J'ai hâte de voir cette game parce que en vue des compos, il n'y a pas forcément une compo qui ressort énormément euh, face à l'autre. Je pense vraiment que tout va jouer dans, dans les plays. Alors oui, mais sur le papier, je mettrais une petite pièce aussi sur, euh, sur fish Forever. Ok c'est ouais. euh, voilà, une petite piècette euh, parce que euh, ils, ont, ils ont beaucoup de choses la seule chose qu'ils n'ont pas c'est le, le tanking et encore euh, Darius et Wukong euh, vont très certainement tanker un minimum donc ah, euh, sûr, à ils, voir. ils vont bien Wukong et, et Darius peuvent totalement partir tank ouais. est-ce qu'il y a forcément besoin de tank, tanker de ça parce que Yasuo qui permet son wall bah, d'éviter de nombreux spells. Nami, avec sa bulle et son air qui permet, a... Qui permet franchement de, de stun euh, la plupart de l'équipe, euh, peut-être euh, peut permettre de temporiser au lieu de, de tanker directement. C'est peut-être une grosse bêtise ce que je dis là, mais euh, Proof, c'est quand même assez, assez solide comme, euh, comme réponse. Et en plus, Kassadin qui, euh, si je ne me trompe pas... Euh, a, peut bouger facilement. Euh, je crois que c'est son air qui permet de se téléporter en mettant des dégâts ou quelque Et chose du style. Exactement. Et son stun, euh, franchement, moi je serais assez d'accord avec toi sur euh, ce Bloodfish Forever. Peut-être une petite piècette, mais j'ai peur quand même de cette botlane qui a été Draven Trash. Oui, en fait, le problème qu'il que, qu va y avoir, c'est Nami. Parce que, pas besoin d'aller focus sur Yasuo, euh, Nami euh, peut tomber en euh, un grab, deux auto-attaques, et c'est presque fini. Hein. Donc, euh, ça peut être très compliqué. Ça peut être... Oui, c'est vrai. Il va falloir qu'elle fasse super attention de là où elle joue. Elle va devoir euh, absolument tout le temps jouer derrière les creeps et essayer d'aller mettre euh, la plus belle bulle possible. Euh, bah, même le Yasuo, en fait, va avoir du mal à jouer un petit peu dash un Peu partout, Il après, les trois reposer. premiers levels où c'est un peu compliqué, et après c'est ok. Ok, bah écoute, j'en crois ton analyse, euh, mais en tout cas, franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce Wukong dans la game. C'est l'élément qui me qui va, je pense, nous me plus ou du moins le plus nous impressionner, car euh, bah c'est quand même un, un comment dire personnage un peu à skill shot avec ce clone qui permet de, de s'esquirper euh, le le fait de pouvoir passer dans, à travers les murs je, je, je le répète parce que c'est assez c'est assez quelque chose qui change beaucoup le perso et c'est grâce à ça qu'on le revoit en jungle et franchement euh, est-ce que Jarvan va pouvoir répondre face à ce Wukong j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer L'avantage de G4, c'est ses ganks. C'est là où il peut performer. Là où Wukong est peut-être un peu moins fort et un peu moins impactant. Mais attention, il ne va pas falloir les sous-estimer non plus. Parce que Wukong va avoir beaucoup de dégâts. Il a ce côté briseur qui peut vraiment faire la différence sur des moves. Moi, ce qui me fait peur, c'est ce stop side. Pour de Kaiser, il va falloir jouer très, très safe. Mais le problème, c'est qu'il va falloir farm. Parce que pour jouer safe, il faut jouer loin des creeps. Pour pas se faire grab ou autre, mais bah, si on ferme pas, bah, on n'a pas de gold. Et je pense qu'il y a même moyen que ce jarvan puisse... Euh, que ce Darius puisse un V2 sur un gang de Jarvan. Oui. Oui, Darius, capacité d'un V2. Euh, assez reconnu. Du moins euh, très souvent. Euh, très souvent vu les beaux moves de, de Darius. Euh, franchement. Le Darius est quand même un gros élément. En plus, je crois que Mordekaiser euh, n'a pas du tout la prio en vue du match-up. Ah non, euh, non. Du coup, ce Darius ça, ça, qui va pouvoir s'exprimer pleinement et devenir un élément perturbateur. Tout ça, on le rappelle, grâce au au flex du pick Wukong qui a été sélectionné à cette jungle. Oui. Oui oui on a l'exos hein, qui a été pris pour ses pour ce Draven. Euh, Draven qui a pris une Exos cette fois, par contre, c'est euh, à mon sens une très 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 bonne chose. On a l'opti glacial encore une fois. Je suis... Euh... Je suis toujours un peu euh, perplexe là. Euh, la game d'avant, je l'aimais pas du tout. Bon, ça a fonctionné tant mieux. Mais dans cette game là, je sais pas trop quoi en penser de cette opti glacial bah, en fait, ça va poser un énorme problème à cette Nami, parce que, imaginons, il arrive à Grab, soit le Yasuo, soit la Nami. Si la Nami n'est pas très loin, elle va être aussi ralentie. Et une Nami qui est ralentie, sans dash, etc., euh, ça peut énormément poser de problèmes avec ce trash, avec ce draven. Franchement, je, je le sens plutôt bien, ce, cette optique euh, de la salle. Et euh, du voir, coup, on, voir. on arrive directement euh, dans la game. Moi, je suis toujours, euh, du coup... Elle est en Et train euh, de se lancer euh, tranquillement. Le, 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 le smart spec de Riot qui bug toujours autant qu'on embrasse d'ailleurs. <laughs> C'est notre petite dédicace à chaque début de partie. Et du ouais. coup, est-ce que tu penses, toi, qu'on va avoir un gank en début de partie de l'une de, des deux équipes ou en cette dernière game de en cette dernière game tu penses que les deux équipes vont, vont respecter bon, alors, un invade je pense c'est sûr euh, après par contre euh, un gang Jarvan un petit gang c'est pas improbable et tout le monde va bot side a priori je sais pour un invade un counter invade mais ils vont pas invade avec cette composition. Hein. Je pense pas. Euh, Yasuo, level 1, Kassadin level 1. Euh, non, on peut pas invade. Hein. Ah non, non, on peut, on peut pas invade. Je suis d'accord avec toi. Euh, voilà, j'ai réglé le petit souci qui apparaissait. Pas de souci. Euh, T'as combien de temps d'ailleurs Alors, je suis à 50 secondes, 51, 52. J'ai une petite seconde d'avance. Bon, je pense pas que ça va poser. Non, ça va bien se passer. Énormément de soucis. Euh, bon, bah, du coup, ils voient que, que cette Invade n'est pas réalisable. Mais du coup, il y a quand même euh, cette euh, Ward qui a été utilisée euh, sur ce Blue pour protéger. Ils, ils y croient quand même un peu beaucoup à cette Invade. Ils ont peur, du moins, c'est normal. C'est quand même la dernière game de, de cette demi-finale. Et, et voilà, les, les, les NPPT euh, veulent vraiment gagner cette game. Et, et on les comprend, les, les Penguins sont. respectent leur adversaire. Ouais, J'aurais vraiment tenté un Invade par contre, du coup, c'est une Penguin Team. Mais bon, après, on a voulu jouer à, à, défensivement. Ce qui n'est pas un mauvais choix non plus. On a bien ce Cassadin au mid, sans grande surprise. Et ce Yasuo accompagné de Sanami sur ce bot side, à voir ce que ça va donner, si ça ne va pas trop souffrir. Ou au contraire, est-ce que ce n'est pas euh, bah, la botte secrète pour contre un Draven ah bah peut-être, hein. écoute, on le sait pas. Après, euh, c'est vrai qu'il a souvent un passif assez, assez bien grâce à, à son shield qui, qui est un peu rechargeable. Euh, en top side, ça se tape toujours autant, mais du coup, euh, le, Draven, euh, le Draven, le, le Darius... On le chase directement, on va trouver un bump ici, on va forcer le flash, on n'arrivera pas à tuer cette Nami. Par contre, si oh, l'auto-attaque, la fatigue, c'est dramatique. Aïe 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 aïe, on avait forcé les deux summoners sur euh, l'anami, la et on a voulu aller chercher très très loin. Donc first blood pour ce Yasuo, ça n'arrange personne du côté de chez, Blackfish, euh, de chez euh, PowerPing Win Team. Ah bah là le Yasuo qui prend directement, on l'avait dit, euh, ses niveaux faibles étaient euh, jusqu'au niveau 3, et pourtant il a réussi à aller chercher ce, ce kill. Euh, plutôt bien joué de sa part l'anami qui survit in extremis. Euh, je ne sais pas vraiment comment c'est possible, mais, mais c'est vrai que as vraiment osé. C'est l'Exhaust hein, qui, qui a fait en sorte de, de garder la nami en vie. J'ai pas vu ses HP, mais il ne lui restait pas grand chose. Hein. Ah non, il lui restait vraiment pas grand chose, mais du moins, euh, tous les summoners bot side ont été classés, à part la fatigue du moins de, 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 de Draven et l'Embrase. Du Coup euh... dommage. Bon, par contre, la griffe directement sous cette tour, le grab qui est connecté. Par contre, on ne prendra pas de coup de tour. Je suis étonné. Ah, il était vraiment à rien de s'en prendre et c'est plutôt bien joué. Attention, par contre, euh, ici, non, ça, ça ne se verra pas de la part des deux équipes. Le cas Sadin qui, qui prend quand même euh, un peu de, de dégâts face à ce Xerath. Oui, bah euh, l'Early va, va être à l'avantage de ceux Xerath, hein, mais une fois qu'il est level 6, attention hein, par contre, hein, le Casadin, il peut, il peut faire la différence, il peut faire mal à ce à Xerath justement. Oula, on, on veut encore forcer sur ce bot là et on n'a pas de summoner. On a le plus de lanterne maintenant peut-être euh, un peu trop euh, dramatique. On, on, on reste ici. Et le Wukong qui passe à, juste à côté on, on joue à cache-cache au bot hein, pour l'instant. Il y a ce jeu-là, c'est Tresh qui va perdre a priori. Tout va être mis. On ira un peu tard peut-être ici. La bulle, très bonne bulle sur ce Draven. On va trouver peut-être un kill. Malgré tout, il manque rien. Rien du tout sur ce Yasuo encore une fois. Flash pour flash directement. Le shield. Attention, euh, les dégâts, peut-être, ce sont vous cons qui suffisant. Oui, ramassé par ce J4. Par contre, Nami, il manque une auto-attaque. On a fait le petit pas de trop. Et on va mourir ici euh, pour ce, euh, ce Draven. Par on arrive à trader comme il faut sur Sodarius. J'aurais pas pensé que Mordekaiser puisse prendre le trade en 1v1. C'est ouais, tellement peu d'HP. Le flash qui a été consommé. Par contre, on a très bien joué de la part du Xerath ici. On a bientôt sur le level 600. On force le cassada à back. Attention, par contre, ici les dégâts sont assez colossaux. Il manque peut-être une griffe qu'on n'a pas. Ou là, on vient de la claquer, je ne sais plus. Bah ouais, le truc, le, le problème, c'est qu'en fait, Sodarius. Ce, ce euh, n'arrive pas à stacker son passif sur, euh, sur ce mordeur du coup euh, bah, le 2 arrive à survivre et, et même à se régénérer grâce à, à son passif on, on rappelle les dégâts qu'il met ou qu'il subit, je crois que surtout les dégâts qu'il met euh, permet de, de se transformer en shield et ce shield si on réactive cette compétence redevient de la vie du coup ça, ça quand même permet une grosse régénération et euh, qui permet d'aller chercher quand même ce, ce bac en pur 1 contre 1 et, et d'avoir la prio sur la lane. C'est franchement euh, assez impressionnant euh, de la part de, de ce top laner. Impressionnant. Et par contre, on va faire ce premier Drag, Drake Infernal qui ne va pas arranger les pingouins, Par contre, qui va, euh, qui va rendre les, euh, les Bluffish euh, très contents. Parce que bah, Drake Infernal, dégâts sur tout le monde, ça jamais de trop. Ah, c'est sûr que c'est jamais trop, et voilà le, le Mordeux qui est déjà level 6, vraiment level 5, c'est sûr, il, il n'a pas bac. Et en plus, euh, bah, ce Darius qui, qui est joué agressif avec ce, ce oui, flash. On n'a euh... plus, plus de griffes, le ghost qui est, qui est instantanément mis, et par contre, voilà, on en parlait, hein, le ghost, passif, ulti. Aïe 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 aïe, c'était pas évident. Ah là, il a bien stacké son. Il a bien Ouh là, il a bien stacké son passif. Et, et voilà, quand il stack bien son passif, c'est impossible de le tenir en lane. Euh, le le morde' qui s'est cru peut-être safe, vu qu qu'il avait réussi à prendre la lane juste avant, mais il n'a pas oui, forcément. Attention, par contre, on met beaucoup de dégâts ici sur ce Cassadin. Mais on s'est un peu avancé. On a le bait avec la très bonne barrière. Attention, le gank, on n'a pas de vision on sur cette bot side. On, euh, on va peut-être payer ici la bulle qui ne connectera pas. Draven qui est pour se position intelligemment avec le grab. Par contre euh, avec l'antenne pendant et le très bon grab de ce euh, trash, on va pouvoir peut-être réussir à faire un counter gank. Ça n'ira pas plus loin. Si on va plus loin, on tente. Hein. Mais non, on, peut, on peut pas y aller. On peut pas y aller. Ah non, on peut pas y aller. Mais attention à cette bulle hein, qui, qui aurait touché aurait été franchement monstrueux. Et, et voilà, depuis que le Cassadin a son air, on, on le remarque il utilise énormément son air et il peut l'utiliser presque tout le temps. C'est quand même un des gros points forts de Cassadin. Et, et, et ça commence à mettre de plus en plus mal le, le, le Xerath qui avait un peu pris de l'avance. On voit quand même un petit écart de 20 CS en mid lane. Par contre, ici, on va euh, avoir euh, le cassade hein, qui va peut-être mourir. On n'a pas réussi à connecter les... Oh, par contre, on va peut-être plus tanker un coup de plus. Euh, je ne sais pas. Ah. Oh, la griffe qui va connecter. On n'a pas d'ultime sur ce Xerath. Le grab qui va connecté Par contre, ici, très bon wall pour rester en vie. La bulle qui va connecter. Là, ça peut être dramatique. Par contre, la lanterne. On n'a pas d'ultime sur ce Yazuo. C'est ce qui va sauver. Par contre, on va faire un flash pour y... s'enfuir de ce Wukong. L'exhaust. Malgré tout, le flash... Oh, heureusement qu'on avait tous ces summoners à disposition pour rester en vie. Attention à cette vision bot side, ça peut être dramatique sur un gant qu'on l'a vu. Attention, attention, euh, franchement les deux équipes appuient vraiment beaucoup sur cette bot lane, euh, même si c'est quand même à l'avantage euh, des BFF avec euh, un kill et une assist sur, Yas, sur ce Yasuo. Mais même si le draven est mort deux fois, il a quand même... Plus de CS que si asuo. Yasuo a cassette difficulté à farm. Il y a tour, le trait qui va être pris directement par le Darius ici. Attention, le coup de tour ici, le deuxième. Et l'ultime qui a été mis. Aïe aïe aïe, c'est dramatique. En tout cas, on a du mal à gérer et ce top side mais c'est Darius, c'est le pic qui veut ça. Force au bord de Kaiser. <laughs> je le plein de tout cœur. C'est vrai que le pic est pas évident. C'est pas facile de jouer avec Contre un Darius. Hein. Ah, c'est pas facile et surtout qu'en piquant un mort de Kaiser, euh, fallait faire attention. Bon par contre ici on arrivera à s'extirper avec un très bon ultime peut-être, le Q qui ne connectera pas. On a du mal à aller chercher et punir ce Cassadin. Très volatile à, par à partir du niveau 6, hein. c'est difficile hein. difficile, c'est difficile, on l'avait dit. Bon, euh... Par contre le, le Xerathie on va forcer son flush, on n'ira pas plus loin. Très bon recover du J4 et bon réflexe de la part du Xerath. Ah, très bon réflexe le flash qui permet de rester en vie tout simplement euh, on a ce ce cassadin du coup qui bah, grâce à son air a une grande 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 mobilité euh, il, bon il peut pas non plus l'utiliser à l'infini voilà il, il doit je crois faire une combinaison de sorts pour pouvoir euh, se déplacer mais c'est quand même assez intéressant et attention à second bot lane attention oui on, la vision qui a été mise on apprend de ses erreurs et on pose de la vision le gars qui a connecté on pourra pas aller plus loin, par contre. Ouais, ça fait du monde, mais pour l'instant, au mine, ben c'est un Xerat qui push, qui push, c'est une plaque qui va tomber maintenant. À la plaque aimait elle, elle plutôt bien ce Xerath qui, qui, qui a un peu de retard en CS, en CS, mais du coup là, ça permet de bien. Et on voit quand même ce, ce Draven qui n'arrive pas forcément à trouver... Ah si pardon, quand même. Qui trouve pas mal dauto attaques euh, et qui met pas mal de dégâts, mais, mais c'est quand même pas le, le Draven de la game d'avant qui... Et en 2 H tu es Ah pour l'instant non. On, on fait toujours Faux Spectral par contre. On prend la formation. On est en un grab ici. Mais attention, on des c'est important. Et Cassadin qui fait la décale directement. Ouais, on prend le trait, par contre, bonne bulle ici. On va pouvoir mettre un outil sur deux personnes à quatrième ultime. On met tout sur ce Draven pour le tomber. Et chez ces choses Aïe 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 On voit qu'on tente, hein. on tente, mais... Pas sur les meilleurs timings, a priori. Pas sur les meilleurs timings, en plus, euh, ce que qui a utilisé cette ulti n'aurait pas forcément dû. Attention au top. Attention au top, comme tu dis, on tank peut-être pas assez. On a mis l'ulti directement, on a pris, on a forcé le flash. Sur le stun qui était trouvé sur cette mid lane, avec un peu de dégâts aussi, mais on a plus de mana. On a ce Darius qui, euh, bah, malheureusement, euh, peut faire un peu ce qu'il veut. Hein. Ah bah là, il peut se permettre, il peut se permettre déjà en 3-0 en, en début de partie. Et ce Yasuo qui est en 2-0-2 maintenant et ce Wukong qui a récupéré aux deux kills, euh, l'équipe commence à se mettre très très bien. Toutes les lanes sont en avance. Bon, attention, et... le peut-être ici. On a pris un trade-kill en tout cas et pris l'interruption sur ce Cassadin. Euh, bien joué euh, malgré tout. On, 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 la, la barrière qui a, ouais, qui a, qui a bête jusqu'au bout du bout. Hein. Ah ouais, ça a bien bête, mais pendant ce temps, le, le petit Jarvan, on, on l'avait pas forcément. Euh, ce n'est pas le Jarvan, pardon, mais du coup, on a quand même deux dragons. Et ce qui vient d'être fait, parce que je crois qu'il a été fait il y a 45 secondes, on n'a pas pu le voir, mais, mais c'est quand même un deuxième dragon récupéré pour la part des BFF, et c'est toujours. En plus, je crois que c'est un dragon des océans. Et, et ça permet encore un peu plus de régène pour, pour cette team qui en a un peu besoin avec ce, ce top side et, et ce Wukong. Oh ouais, les deux dragons sont deux bons dragons récupérés ici par le, euh, par le Wukong. On ne se laisse pas faire. On gang bien cette botline. On a, on a un peu euh, abusé même. On a joué avec la vision. Et ça c'est bien. On a abusé de ça. Ouais. Et d'ailleurs, bah, on, on arrive bien à cover un peu ce Yasuo qui est en 2-0-2 malgré tout. Je ne pas donné gagnant sur ce bot side. Attention, par contre, ici on va se précipiter directement. L'ultime, il faut protéger ce Draven et sur ce qui va être fait. Le très bon bon par contre, l'ultime, on pour désengager tout ça. On va se repositionner, repositionner intelligemment. On va mettre un ultime ici, pourquoi pas pour toucher. Ça ne pourra pas connecter. Mais vous, qui qui vaille au grain. On aura mis deux, un ultime pour tempo. Attention, par contre, le c'est qui est allé un peu loin, peut-être. On va mettre un peu un Q. Il faut courir, il faut le stun, on l'a pas. Il est en CD, le flash directement. Ah, C'est assez dommage. Et là, on voit que Cassadin commence tout doucement à prendre le lead sur, ce, sur cette mid lane. Il prend le lead sur cette mid lane et ça commence à faire mal. Il, il a repris ce shutdown. Et, euh, et voilà, ce Cassadin, il commence à être de plus en plus big. Euh, on a vu sur cette bot lane, on l'avait dit. Le wall de Yasuo et le R de Nami permettent de tanker. Enfin, ça ne permet pas de tanker, mais ça permet vraiment de disengage tout et de pouvoir partir. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est ah au bah final... C'est le... oui. au final... Par contre, le dragon qui va se faire R peut-être. Non, là, l'a pas. Yasuo, qui okay, On sait, des... les gars, qui sont colossaux. On va forcer le flash malgré tout. On essaye peut-être de trouver un grab directement à qui va toucher. Est-ce que les gars sont suffisants Oui. Interruption ramassée par le trash. On, on a du mal, domm... ouais, on a le flash là, sur ce Draven, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Par contre, voilà, par le contre, le grab, euh, le dive. ici, on va essayer de tout tomber, euh, Wukong et ce, ce qui va être fait sans grande difficulté. et par contre, y en a un qui se grave sur stop side. C'est Darius qui prend le blue, qui prend le groupe et euh, on, on, on essaye de euh, tout prendre, même les lourds. Incroyable. <laughs> on a minéral sur cette mid lane, euh, cette bot lane. Et qui peut push tranquillement. Bah ouais, Xerath push tranquillement. Il a mis Par contre, attention à ce que ça ne se fasse pas arrêter. Parce que il bah, y a des creeps. Et euh, Yasuo et Nami vont peut-être pouvoir euh, arrêter cet Herald. Voilà la, la bulle très bien passée. Mais je crois qu'il va aller choper ouais. ce premier coup. Mais par ouais, contre, puis, il, est il, il est. On voit les dégâts qui sont trop nombreux. Le flash exactement. Le combo pour donner du temps. On a trouvé le kilo, Mais malgré tout, Kassanin qui est. Inarrêtable maintenant, on arrive à se repositionner à Viclerald. C'est fait intelligemment de la part de Soyazo. Et on a du mal à snowball. On a du mal à trouver de l'impact pour l'instant pour cette botlane. On a du mal à trouver de l'impact. Euh, mais euh, voilà, on est sous tour. Et on arrive quand même à aller chercher euh, à cette première tourelle, si, si je ne me trompe pas. Bon, attention, il faut taper cette tour par contre. Il faut la taper cette tour. Euh, Récupéré par contre au top, c'est dramatique ce qui peut se passer. On a euh, Darius qui va mettre beaucoup de dégâts, le grave et l'ultime. Même pas besoin d'ultime. C'est difficile au top. On a la, la T1 qui, qui s'ouvre. Regarde au top ça. On a Cassadin qui a fait l'effort. On a Wukong qui fait l'effort. Et cette T2 qui ne peut pas être protégée pour l'instant. Ah là, là, je... ils avaient peur que l'Oxerat move et, et aille aider ce ce, comment dire, ce mort de Kaiser mais bon franchement Darius même contre les deux je suis pas sûr que, que ce Darius serait tombé le Mordekaiser est vraiment impossible à jouer il a plus de 56 CS de retard il, a une, ouais, il en a 60 et il est en 0-4 euh, c'est quand même un peu compliqué pour ce Darius et ça a été à chaque fois on le rappelle des kills pris en, en 1 contre 1 euh, mais ça va être le combat pour le dragon qui va être engagé. La, la vision qui est prise de la part des deux côtés. Les deux côtés. Mais Kassad, un par contre, qui est derrière, qui veille au grain. On ne se laisse pas faire, on ne se laisse pas euh, malmener. Et derrière, est-ce y a pouvoir push directement Il faut faire ce dragon, on le laisse. Intelligent euh, de la part de Blockfish Forever. On ne se précipite pas, on, on laisse ce Drake. On ne veut pas. Euh, on peut en plus de chez Michi, euh, pour essayer d'aller. Euh, des tout ce beau monde. C'est dommage, ça a utilisé un peu tard. Et en fait, voilà, Darius qui, qui pingait ce, cette tourelle topside. Il, il veut la récupérer. Mais, euh, mais voilà, le, en fait, l'ulti, euh, la TP qui permet d'aller protéger cette tour, bien joué. Mais la réponse directement menée par cet Herald, euh, je trouve que c'est une très très bonne réponse. Très bonne réponse. Par contre, attention, ici il y a du monde. Euh, sur Stop ça, il y a du monde. Et le 4 sur le trash qui va être fait directement. On va tout mettre sur ce trash pour qu'il puisse tomber. D'ailleurs, on va tout mettre aussi sur ce bord de On va mettre un ultime pour essayer de tempo. Cette Nami qui va euh, prendre un peu trop le focus du bord de euh, Kaiser. On gagne du temps en tempo. Malheureusement, le flash qui n'aura pas été, euh, je pense, celui qu'on aurait voulu. Et là, c'est... on a 6 kgols de retard. On a un T2 qui va tomber. On a une, par contre un Kverath qui punit bien sur le bot side. Hein. Ah, je l'avais pas vu. Tu, tu fais bien de me le rappeler. Franchement, le Xerath, bah, très bien joué. Très beau speed push. Il permet d'aller chercher ça. Mais, mais par contre, c'est en top side où il permet d'aller chercher et, voilà Par contre, le Cassadin. Ah, par contre, assez dramatique. On a le Xerath qui bah, ne peut pas faire grand-chose. Ne peut plus jouer tout simplement contre le Cassadin. Il n'y a pas grand-chose à dire. À... C'est dommage parce qu'en fait ils, ils ont pris de l'avance, mais ils auraient pu à chaque fois temporiser tant bien en top side qu'en bot side, c'est-à-dire qu'avec ce Cassadin et ce, et ce Darius en, en, en restant only sous tour, peut-être qu'ils auraient perdu un peu de farm, mais mais les auraient pas feed. Alors que là, bah, ça commence à devenir problématique parce que ce Xerath qui qui n'est pas forcément bien dans la game, il va aller pêcher cette T2. Euh, C'était sûr que à un moment quelqu'un allait le cueillir. Non mais ça c'est euh, sûr. Par contre là on, on essaye de gagner un peu de, de temps. On essaye de, de ne pas se laisser déborder. Mais on, on a 8 k gold euh, d'écart. On, on a une T1 qui a été menacée parce que ça donne prochain bac peut-être prochain bac prochaine wave. Bon, attention on a une TP euh, une, une lanterne très intelligente qui a été mise. On essaie de rester en vie malgré tout. Mais le trèche qui va payer. Euh, Ici, on ah, a pas grand chose à dire. Oh non! Oh on arrive à s'enfuir! C'est dramatique! Pour les pingouins, mais très bien joué, excusez-moi, j'étais surpris, je n'ai pas pu commenter ce qui se passait. Oula, pardon. Je fais du bruit, en plus, euh, de mon côté. Et on a une T2 qui est menacée maintenant. Bon, on a une T2 qui est menacée, c'est franchement très très beau bon move du Cassadin qui. Qui a su sidestep side le R du Xerath et qui a en même temps pu temporiser ce Jarvan qui, qui l'a fait reculer. Bah, sa mobilité, on en parlait, le R, il permet de s'enfuir. Très très beau move, très close HP. Et euh, bah, ça permet quand même d'aller de, de, bah, de, chercher deux personnes en bot side et de survivre. Et, et maintenant il va continuer, hein, vu que ça a marché une fois, je ne vois pas pourquoi il s'en priverait. Oh, c'est sûr, c'est sûr. Le cassadin qui semble un peu inarrêtable maintenant. On a du mal, on souffre. Et, et on n'a pas parlé de late game non plus, mais le late game du côté de l'équipe de Bluffish Forever, mais eh il n'est pas nul du tout. On a ce Bouc, on a ce Darius, on a ce Cassadin et ce Yasuo, Alors qu'en face, on a Mordekaiser. Attention par contre ici le Dive, pourquoi pas? Le dégâts qui sont colossaux. Il peut se faire de tankier l'axe-jour comme ça. Il ne peut pas le matcher. C'est très, très compliqué. Mais au-delà de ça, il m'a quand même surpris avec ce move, avec l'Everfrost qui a permis de stun le Xerath. Au-delà de cette avance, il a quand même très, très bien joué ce fight. Et attention, par contre, à ce gank. Attention à ce gank. Oui, on arrive à s'extirper. Peut-être ici, Daeus, qui est là pour maintenir son collègue en vie. Le grab qui va connecter qu'il ne connectera pas. Par contre, on a Lazo qui va aller contester la révision directement. On a euh, Tresh qui souffre ici et euh, qui n'arrive pas à les mettre dans euh, la vision. On, on punit tout écart dans la jungle. Alors, ah on punit tout écart dans la jungle et il y a Kassadin qui permet de survivre encore une fois. Et euh, qui va se diriger Top Side. Euh, je ne sais pas comment il s'en sort, mais, mais ça a été très bien joué de sa part. Cette tourelle qui a été récupérée, Bot Side. Ça commence à s'annoncer de plus en plus critique pour la part des pingouins avec maintenant 10 gold d'écart et sûrement ce troisième drake récupéré. Ah, il faut laisser ce drake. On a cassé en split. En plus de ça, il a TP de up. Il peut euh, se permettre. On va mettre beaucoup de pression sur Stop Side. Regarde, on y va justement. On, on laisse ce Drake. On tente le style. Oh, c'était close quand même hein, de la part du Xerath, hein. Il n'en fallait pas beaucoup. Il ah, y avait un monde. Attention par contre, Cassadin qui fait directement une ici il y a tout le monde qui est présent, est-ce qu'on va pouvoir aider directement euh, ce monde de Kaiser On a réussi à se replacer le grab, le combo euh, qui va connecter. Les 850 gold dans les poches du, de, euh, du Draven, ça fait plaisir. On compense bien du côté de chez Pinguin, mais c'est pour l'instant pas suffisant. Il y a toujours. Ah, c'est 10k gold d'écart. Hein. Voilà, ouais, 10k gold d'écart. Et on l'a vu par contre, ce Cassadin, les dégâts qu'il a fait sur ce. Dire. les dégâts qu'il a fait sur ce 2 c'est vraiment dommage qu'il n'ait euh, qu pas pu aller chercher parce qu'en plus euh, il a un item je c'est Moisson noir si je non je sais plus mais euh, okay, Ketsana oui qui en fonction de ses kills rajoute de la paix euh, la bague ah Medjay ah oui, voilà, non le Medjay il, a pas Medjay, il a juste euh, juste avant euh... oh, les noms et moi euh, son noir voilà il a le son noir et, et ce son noir, bah, qui aurait fait très très mal s'il n'y avait pas eu cette interruption, parce que heureusement que la, la team a été là pour aider ce... Ce, comment dire, mort Kaiser parce que là vraiment, avec On ce va chercher ce ici directement, Tresh qui va être pris à partie, qui va forcer au flash pour une T2, il n'y a plus T2 de Par contre, vous qui être grave directement, est-ce que ici, attention, la très bonne ring il y a le type de Yasuo qui n'a pas été mis Si, il a été mis sur trois personnes et je crois y de vous comme suivi de type de euh, Yasuo. Par contre, oh, le dive est assez extraordinaire. On met beaucoup de dégâts ici. Est-ce qu'on peut temporiser Il y a, euh, Garen, oh n'importe quoi, mort de Kaiser ici qui va malheureusement pas pouvoir aller trouver ce kill. On va par contre. Pouvoir prendre cette t3 cette inhibiteur. est ce qu'on peut finir la game là dessus c'est pas improbable est ce qu'on veut le faire on n'a pas casadin avec nous bah on n'a pas casadin je crois pas qu'ils pensent vraiment ils... je pense qu'ils vont aller chercher au moins oh, une... une t4 la tp ouais. qui est faite on peut y ici. croit on y croit les dégâts qui sont quand même assez colossaux et le nexus qui va tomber et c'est un bo terminé pour cette demi finale de division 8 on retrouvera bloodfish forever en finale tout simplement et oui blush fish forever très bien joué euh, ils ont réussi du coup à vraiment aller chercher cette euh, comment dire ils ont vraiment réussi à aller chercher cette euh, cette première game euh, où ils avaient mené leur lit jusqu'à la fin et là, sur cette deuxième game où, où ils ont réussi aussi à aller chercher, on en parlait de ce Wukong qui pouvait être assez catastrophique et, et on a vu euh, mid lane et top lane qui ne pouvaient vraiment pas euh, bah, subir le Cassadin pour le Xerath et ils ne pouvaient pas aussi euh, arrêter ce Darius en, en top lane contre ce mort de Kaiser. Ils ont été franchement très très forts, très très solides. Euh, du coup, ça leur rajoute une troisième game qui sont perdus sur toute cette partie. Mais c'est quand même une victoire de ce BO. Et ça leur donne directement une place en finale. À la place en finale, euh, c'est. C'est vrai. Euh, des Power Penguin qui ne se sont pas laissés faire non plus. On, on, a, euh, on a vu une belle deuxième game. Euh, cette euh, troisième game a, dès la draft, suscité pas mal d'émotions, en tout cas pour nous. C'est vrai que les drafts avaient été euh, bien pensés, que ce soit en première ou en deuxième. On aime bien trap, flexer potentiellement et même mentir à son adversaire hein, pour Bloodfish Forever. Euh, on, on a des drafts qui ont été euh, réfléchis ou en tout cas au moins travaillés euh, en amont. Que ce soit pour d'occasions précédentes, mais surtout bah, dans des euh, circonstances qui étaient euh, peut-être euh, équivalentes, euh, GG aux deux équipes, euh, mais bon, il faut un gagnant, c'est une demi-finale, hein, comme tout BO3, il faut un gagnant. Et à ce jeu-là, blockfish bah, Forever a réussi à s'imposer, a réussi à mettre son jeu, à rythmer la partie en fonction de ses conditions. Et bah sur cette game-là, euh, c'est lui qui remporte euh, le BO là-dessus. Et oui, bah, félicitations aux deux équipes. Euh, bravo à um, BlobPuy Forever qui va chercher cette place en finale de Division 8. Euh, L'équipe de, de Penguin qui n'a quand même pas, pas démérité, qui a montré aussi qu'ils avaient une très belle phase de jeu lors de la deuxième game qu'ils ont gagnée. GG aux deux équipes. Et, euh, et bravo aussi à toi, euh, mon cher co-caster, qui, qui a très bien casté euh, ces, ces trois games. un peu fatigué euh... malgré tout, mais merci à toi. Je te retourne le compliment. Merci, c'est gentil. Et je pense qu'on bah, va, on va féliciter tous les joueurs et tout euh, le, le chat aussi qui était présent. Et, et je pense qu'on qu va vous dire au revoir. Et, et, et à bientôt pour, pour un autre stream. Est-ce que tu as un dernier petit mot à, à dire mon cher Tronome Co courgette. Et c'est une fin de stream. Bisous à tous. <laughs> à bientôt. <laughs> bonne soirée à vous. Bonne nuit et merci encore aux deux équipes. Ciao ciao. Salut.